Okay, so today is very, very super improvised. Donc aujourd'hui c'est vraiment super, super improvisé. Just like life. Exactement comme la vie. You can prepare, you can plan, you can think. Vous pouvez préparer, vous pouvez planifier, vous pouvez penser. But it's never gonna happen like you've thought. Mais ça va jamais se dérouler comme vous l'aviez pensé. Like you imagined. Comme vous l'avez imaginé. It's always gonna be different. Ça va toujours être différent. No matter what. Quoi que vous. Yeah. So. We start improvising and then we accept that it's an improvisation. Donc on commence par improviser puis on accepte que c'est de l'improvisation. Yeah. Okay. So I was thinking maybe we can all participate together. Je pensais que peut-être on peut tous participer ensemble. So I would like maybe people to come up with maybe certain kind of like chapters or topics. Donc je voudrais peut-être que et vous évoquiez certains chapitres ou certains sujets. So then I'll write them down and we can go through them. Et je noterai ce que vous me direz et puis on pourra les parcourir. Yeah. So please help me. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Okay. No topics? No pas suggestions. Pas de sujets, est-ce qu'il y a des sujets dont vous voudriez qu'on parle hein? Des suggestions. Please. Education. Okay. Éducation. What kind of education? Quel type d'éducation? Les enfants? In general. Sorry? Universal. Éducation universelle. Okay. What else? Patience. La patience. Patience. Education on positive masculinity. What? Masculinity. L'éducation à la masculinité positive. Okay. Yeah, I'll try to understand, decipher after. J'essaierai de comprendre. Hein? Okay. What else, please? What? La peur du manque, the fear of missing. And then another one, jealousy. The fear of missing. Lacking. Of lacking. Of lacking something? Like not having. De quelque chose, de pas avoir quelque chose? Losing. Missing out on something. Missing out. La peur du manque de quoi? Lack of food. Okay, lack of. Lack of something. The fear of that. The fear of that. Fear of lack. Fear of lacking. What was the other one? Et l'autre, c'était la jalousie, yeah. C'est ça? La jalousie. Jealousy. Oh. What is he? And then? Quoi d'autre? La discipline. Discipline. Ah, this is a good one. C'est un bon ça. Attachment to a loved one, like a partner. Huh? Attachment to partner. Mm. Partner or just objects of desire, like that. Okay. She said partner. Partners. Huh? Specifically partners. Yeah. Okay, what else? La colère. Anger. Huh? Anger. Mm. La colère. Anger. Last one. Dernier. Un dernier. Compulsions. Compulsions. And you said love, no? So we number so one more. We do one more. It's a good one. Okay. All right. D'accord. Very nice. Très bien. Okay, so we finished the talk now. Okay, so. Education, we start with that, yes? Dans éducation, on va commencer avec ça. Là. So education, what is education? L'éducation, c'est quoi l'éducation? I think education is a learning, right? Je crois que l'éducation, c'est l'apprentissage, d'accord? So even if we have the best teacher in the universe, même si on a le meilleur professeur, le meilleur maître de l'univers, if we have no interest, si on n'est pas intéressé, if we're lazy, si on n'est paresseux, if we don't want to learn, si on ne veut pas apprendre, if we don't pay attention, si on ne prête pas attention, completely useless. C'est complètement inutile. Waste of time. C'est un gâchis de temps. Yeah. So that's why the education, the main part is oneself. C'est pourquoi dans l'éducation et la partie principale, bah, c'est soi-même. And it's a constant education in life. Et il y a une éducation constante dans la vie. From the moment we're born, du moment où on est, to the moment we're passing away, jusqu'au moment où on meurt, we're still learning something new. On apprend toujours en permanence quelque chose de nouveau. Even though theoretically we died many times, même si théoriquement on est mort de nombreuses fois, but we are relearning.
mais on réapprend. Yeah. So basically, education is a learning. Donc à la base, l'éducation est un apprentissage. An understanding. Une compréhension. Growth. Une croissance. Evolution. L'évolution. Yeah. But of course, you have to be humble in order to do that. Mais bien sûr, il vous faut être humble afin de pouvoir faire cela. And in many cases, the more we learn, the more we know, the more we think we don't have to learn anything else. Et dans beaucoup de cas, en fait, plus on apprend et plus on sait, plus on pense que on n'a plus besoin de apprendre. We become very proud, and then we're like, oh, I know everything already. On devient très fier et puis très orgueilleux et puis on pense, oh, j'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. So we get stuck in our ideas. Et donc on reste coincé sur nos idées. We're not open to other ideas. On n'est plus ouvert à d'autres idées. We're not open to learning. On n'est pas ouvert à l'apprentissage. We think our point of view is the only correct one. On pense que notre point de vue est le seul qui soit correct. And we'll even fight to maintain that point of view. Et même on peut se battre pour défendre notre point de vue. And then we become ignorant. Et alors, et bien on devient ignorant. Yeah, so wisdom is when you know that you don't know anything and you're open to learning. Donc la sagesse c'est quand vous savez que vous ne savez rien et que vous êtes ouvert à l'apprentissage. That's the real wisdom. Et ça c'est la sagesse réelle. Because everything is changing. Parce que tout change. Everything is movement. Tout est mouvement. Vibration is vibration. Moving, yeah. Bouge. Nothing is stable, nothing is all the time the same. Rien n'est stable et toujours la même chose. Unless, of course, we talk about space, right? Sauf si, bien sûr, on parle des, yeah. De but that's another story. Mais c'est une autre histoire. We're talking about what we can see, what we can feel. Parce que là, on parle de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut ressentir. Yeah. So, because everything is changing, we have to always keep relearning. Donc parce que tout change, il nous faut constamment réapprendre. If you think about it, si vous y pensez, everything we see, tout ce que nous voyons, how we understand it, la façon dont on le comprend, is based on the memory. Est basé sur le souvenir, sur la mémoire. If you wipe out the memory, we can't even open a door. Si vous effacez le souvenir, la mémoire, vous ne pourrez même plus ouvrir une porte. So that's why, if you think about it, memory is what makes us think that we know. C'est pourquoi, si vous y réfléchissez, la mémoire, et c'est ce qui nous fait penser que nous savons. But if you take out the memory, then we don't understand anything. Mais si vous enlevez la mémoire, alors vous ne comprenez plus rien. But also, if you think about it, et également, si vous y réfléchissez, how do you know this memory is correct? Comment savez-vous que votre mémoire est correcte? How do you know it's a real memory? Comment savez-vous que s'il s'agit d'un souvenir réel? It's happened many times. I know many stories. It's the same story. 3-4 different versions. Each person has different version. ça m'est arrivé très souvent. Et la même histoire, et d'en avoir 2 ou 3 versions différentes. Completely different. Complètement différentes. And nobody knows which is the real, what really happened. Et personne ne sait vraiment, en fait, ce qui s'est vraiment déroulé. And each person is sincerely talking based from their memory. Et chaque personne parle sincèrement sur la base de son souvenir à elle. So that shows very clearly that everybody has completely different perspectives. Donc ceci montre très clairement que tout le monde a des perspectives complètement différentes, des angles complètement différents. Mm-hmm. So it's mainly based where you are, which is your circumstance. Donc c'est vraiment basé sur où vous en êtes, dans quelles circonstances vous êtes. When you see the reflection of the sun on the ocean. Quand vous voyez le reflet du soleil sur l'océan. I like this example, that's why I always use it. J'aime cet exemple, c'est pourquoi je l'utilise toujours. When you see the reflection, you see it coming to you. Quand vous voyez le reflet du soleil sur l'océan, vous le voyez venir vers vous. Based on where you are, the spot that you're on. Sur la base, en fait, de l'endroit où vous êtes, le lieu où vous êtes là, exact. And the person on the other side of the beach is seeing their own reflection of the sun on the water. Mais la personne qui est à l'autre bout de la plage, elle va voir son propre reflet du soleil sur l'eau. But each person only sees a thin path of sunlight reflected on the water, coming towards them. Mais chaque personne ne voit et que un rayon est intense qui vient vers elle de soleil. But the truth is that the whole ocean is shining. Mais en vérité, l'océan entier resplendit de cette lumière. Sometimes when you go on the plane, you can see it. Parfois, quand vous êtes en avion, vous pouvez voir cela. The whole sea is golden. Donc toute la mer est dorée, d'or. So this is a metaphor to talk about reality. Donc ça, c'est une métaphore pour parler de la réalité. What we see is only a small part of what really is.
ce que nous voyons, c'est simplement une petite partie de ce qui est vraiment. And we hold on to that like it's the center of the universe, like the most important. Et nous nous accrochons à cela comme si c'était le centre de l'univers, comme si c'était la chose la plus importante. Mm-hmm. Our perspective is the only real perspective, like that. Notre perspective et qui serait la seule perspective réelle. So that's why education, if you're humble, then you can always be learning. C'est pourquoi l'éducation, si vous êtes humble, vous pouvez toujours apprendre. And that's what life is about. It's one of the things about life is learning. Et c'est ça en fait la vie. Mm-hmm. Une des choses sur la vie, eh ben, c'est que c'est un apprentissage, c'est apprendre. Constant learning. Constamment apprendre. Never stops. Ça n'arrête jamais. Not even the moment of your passing away. Et même pas au moment de votre mort. So always look at life as something new. Donc, et toujours regarder la vie comme quelque chose de nouveau. Something fresh. Quelque chose de frais. When you wake up in the morning, quand vous réveillez le matin, your first thought, votre première pensée, should be how can I be of benefit? Devrait être comment puis-je être bénéfique? And then when you learn based on that intention. Et ensuite, et ben dans la journée, quand vous apprenez sur la base de cette intention. When you go to sleep, et quand vous vous endormez, then you think, how was I of benefit and what can I improve? Alors, vous pensez, comment ai-je été bénéfique et que puis-je améliorer? That is your intention. Donc c'est ça votre intention. Mm-hmm. Otherwise, what's the purpose of life? Sinon, quel but que la vie? If you think about it, for example. Si vous y pensez, par exemple. In Buddhism or Dharma or you know the warm heart philosophy. Dans le bouddhisme ou le dharma ou la philosophie du un cœur. If there's nobody, then how can you practice? S'il n'y a personne, comment pratiquer alors? How are you going to practice patience or compassion? Comment allez-vous pratiquer et la patience ou la compassion? If you're alone. Si vous êtes tout seul. In the universe. Dans l'univers. So Dharma only works if there's sharing, if there's many people, many sentient beings. Donc le dharma ne marche que s'il y a partage, s'il y a et beaucoup d'êtres. Mm-hmm. Is that correct, Robina? Just in case. Because no, of course you think, oh, meditating alone in the cave, you can meditate on compassion. Parce que, et bon, vous allez peut-être penser, oh, on peut méditer tout seul dans une grotte, méditer sur la compassion. But that compassion is always based on the sentient beings. Mais cette compassion est toujours basée sur les êtres. Including the sentient beings that you cannot see in all the dimensions of all the times. Y compris tous ces êtres que vous ne pouvez pas voir, qui sont dans toutes les dimensions, mm-hmm, et dans toutes les temps, les époques. Yeah, so of course, that's the whole purpose is the company, the sharing, the understanding, the growing together. Donc bien sûr, tout le but eh bien, est de s'accompagner, de partager, de grandir ensemble. Mm-hmm. Otherwise, it's not really a lot of meaning. If it's only about me, then it's not so interesting, you know? Sinon, et ça n'a pas vraiment de sens. Si c'est seulement et moi, alors c'est pas vraiment intéressant. Even if you're in paradise all by yourself, what are you going to do? Et même si vous vous retrouvez au paradis tout seul, qu'allez-vous faire? Yeah, I'm joking. But I know many people who like to have silence and to be alone, and this is what they treasure the most. Et je connais beaucoup de gens qui aiment être seuls et isolés en silence, et que c'est ça qui est pour eux le plus grand trésor. Mm-hmm. Of course, it's important. Bien sûr, c'est important. Because if we're not calm inside, parce que si on n'est pas calme à l'intérieur, if we're not able to love ourselves, si nous ne sommes pas capables de nous aimer nous-mêmes, or help oneself. De nous aider nous-mêmes. Then how are we going to help anybody? Alors comment allons-nous aider qui que ce soit? It's ridiculous. C'est ridicule. Mm-hmm. Like number 5, it came out discipline, no? Donc et numéro 5, c'est quelqu'un a dit la discipline. So without discipline, sans discipline, wanting to help sentient beings is ridiculous. Vouloir aider les êtres, c'est ridicule. No? So first you have to start with oneself. Donc d'abord il vous faut commencer par vous-même. You train your mind. Entraînez votre esprit. Yeah, train your body, of course. Entraînez votre corps, bien sûr. And then, from there, you start slowly. Et de là, vous commencez petit à petit. So just to finish off the education, and then we're going to go to the masculinity or masculine education. Or I didn't really understand. Simplement pour terminer avec l'éducation, et après on passera à la masculinité, la masculinité positive. But you have to explain again. Tu devras m'expliquer encore. So just to finish on the education. Mais pour en terminer avec l'éducation.
Now that I have a son, I saw very clearly. Maintenant que j'ai un fils, je vois ça très clairement. He's 15 months old. Donc il a 15 mois. He's here, actually, somewhere around here. I heard him before. But I realized, you know, a baby, you cannot teach him how to walk on two legs. Mais je réalise qu'un bébé, vous ne pouvez pas lui apprendre à marcher sur deux jambes. You can't teach him to walk on four legs. Vous ne pouvez pas lui apprendre à marcher sur quatre jambes. But you can walk on four legs or walk on two legs, and then they will see that. Mais vous, vous pouvez marcher sur deux jambes et ils vont le voir, il va le voir. Yeah, or four legs also. Et également, ou sur quatre jambes, enfin avec les mains, yeah. Les pattes. At the beginning, when he wasn't walking on four legs, I would walk to help him to learn. Et donc, au début, et quand il n'arrivait pas encore à marcher à quatre pattes, et ben, moi, je le faisais devant lui pour l'aider à apprendre. Comme ça, il voit. That, parce qu'il me voit. That, sorry, that way he would see. Ainsi, il me voyait. So that's why. The baby, he learns himself. Pourquoi le bébé, il apprend lui-même. You cannot learn for him or teach him, you know. Vous pouvez pas apprendre pour lui, vous pouvez pas lui enseigner. He only himself can learn. C'est seulement lui qui peut apprendre. So that is the basis of education. Donc ça, c'est la base de l'éducation. Starting from each individual. Et en commençant par chaque individu. And always be humble enough to know that we know nothing. Et toujours être assez humble pour savoir qu'on ne sait rien. And then you will be wise. Et alors vous serez sage. Uh-huh. Okay, so can you please specify when you said how would you say the masculinity? Sorry? It is called positive masculinity. Is that based on the machism and all this or something? It is based on the idea that we need to educate men in uh-huh. a different way. Okay. Nowadays in the past. I understand. Yeah. More reserved with their feelings and okay. L'idée d'une masculinité positive, donc le concept c'est basé sur l'idée qu'il faut apprendre et aux garçons, aux hommes, mm-hmm. et d'une manière différente, et pas comme c'était fait avant, et pour que l'idée cette masculinité. So I'm just going to talk from my point of view. Bon, je vais simplement parler de mon point de vue. If I'm wrong, please correct me. Si j'ai tort, s'il vous plaît, corrigez-moi. This is my concept, okay? So I'm probably wrong, but anyways. So basically, I see it a little bit like this. The men, they evolve in a straight line. Les hommes, ils vont plutôt tout droit. They go from A to B. Ils vont de A à B. Finished. C'est tout, fini. The women, they evolve in a spiral. Les femmes, et elles évoluent en spirale. So they cover much more ground. Donc, elles couvrent beaucoup plus de terrain. Mm-hmm. So they're much more evolved in that sense. They cover much more ground, and of course they are the door of the universe. Et donc en ce sens, elles sont beaucoup plus évoluées parce qu'elles couvrent beaucoup plus de terrain et elles sont évidemment la porte de l'univers. So, inside the culture of history, donc à l'intérieur de la culture, de l'histoire, you know, because the female has been so much more superior to the men, parce que les femmes ont été tellement supérieures aux hommes, in that sense, en ce sens, the wisdom, la sagesse, and the understanding, and the evolution, all these concepts. L'évolution, tout ça. I mean, you have to be, you know, if you're going to create life, il le faut. It's powerful, you know. Si vous devez créer la vie, c'est puissant. So powerful. So that, obviously, they're much more, you know, grounded. And donc, de manière évidente, elles sont beaucoup plus ancrées. So I think in the history of the culture in the world, in the society. Donc je crois que dans l'histoire des cultures du monde, dans la société, the men have been scared of the potential of the woman. Et les hommes ont eu peur du potentiel des femmes. Even though ancient times it used to be matriarchado, you know, matriarchy. Même si et il a existé, il y a eu dans les temps anciens des exemples de matriarcat. Yeah. So it changed because I think the men, through their physical power. Mais ça a changé parce que les hommes, par leur pouvoir physique, and their ignorance also, et à cause de leur ignorance également, yeah, so they kind of like try to put down the woman. Ils ont essayé, eh bien, de rabaisser les femmes. Yeah, out of fear that the woman would be more superior to them or more, which is true actually. Par peur que les femmes leur soient supérieures, ce qui est vrai en fait. Yeah, so this through history it's been happening a lot and donc, it's been repeating for many thousands of years. And if you study history, you'll see. À travers l'histoire, ça s'est beaucoup répété. En fait, ça se répète depuis des milliers d'années. Si vous étudiez, vous le verrez. But there's many cultures that they always, you know, they idolize women, and their women is like a god, you know.
Mais il y a beaucoup de cultures où les femmes sont idéalisées et les femmes sont comme des déesses, comme des dieux. So it's just based on circumstances and times and mainly individuals, of course. Et donc c'est simplement basé sur les circonstances, sur l'époque et principalement sur les individus, bien sûr. But of course, I think education is very important. Mais bien sûr, je pense que l'éducation est très importante. To teach the children. D'enseigner aux enfants. I have so many friends, for example. J'ai beaucoup d'amis, par exemple. Who, based on their education, they act in a certain way. Qui, sur la base de leur éducation, agissent d'une certaine manière. So I have friends. I have many different friends, yeah, from all over the world. Bon, j'ai beaucoup d'amis très différents partout dans le monde. So I've seen many different cases. Donc j'ai vu beaucoup de cas différents. Some cases. Dans certains cas. The women, they cook. Les femmes cuisinent. With their daughter. Avec leur fille. And the boy and the father, they just sit on the table and chill. Et les garçons et les hommes, eh ben, ils sont simplement assis à table. And then they eat. Et ensuite ils mangent. And then the women, they take the plates, and then they wash, they clean, and the men, they're just sitting like that. Et ensuite, ben, quand le repas est fini, et les femmes viennent prendre la vaisselle. The father and the son. Et les garçons et leur père, eh ben, restent assis là. And the women, they're the ones who work. Sont les femmes qui font le travail. In India, I've seen it a lot. You know? J'ai vu ça beaucoup. If you go, just if you see it when they're building a house. Donc, mais simplement, si vous voyez quand ils construisent une maison. You'll see, the women are carrying maybe, I don't know, 20 bricks on their head. Vous verrez, les femmes portent peut-être 20 briques sur la tête. And they're paid maybe 20 rupees a day. Elles sont payées peut-être 20 rupees par jour. And then the man, they call them mystery. Et ensuite les hommes qu'on appelle les mystery. So they're the ones who do this, put the cement and like donc, that. C'est eux qui mettent le ciment et tout ça. So they do the cement and they get paid much more. Et ils font le ciment et ils sont payés beaucoup plus. You know, but the woman is the one who does the hard work. Mais c'est la femme qui fait le dur travail. So how did that happen if the man is much stronger than the woman donc, physically? Pourquoi et en sont-ils arrivés là si l'homme pourtant est plus fort physiquement? But this is just one point in many aspects in society which don't make any sense at all. Mais ça c'est juste un point, mais il y a tant d'aspects dans la société qui n'ont aucun sens. So we can be talking about this many long hours, you know. On pourrait en parler pendant longtemps. Many different aspects. Beaucoup d'aspects différents. It has come to this. Et on en est arrivé là. But things are changing. Mais les choses changent. Thanks to education. Grâce à l'éducation. You know, so I think it's very important. The education is very, very important. Donc l'éducation est très, très importante. As Osel Hita Dalai Lama, he says. Et comme le dit sa sainteté le Dalai Lama. Education is the future. L'éducation, c'est le futur. Yeah. So, does it clarify a little bit? I don't know. It's just my point of view. Est-ce que ça clarifie un peu? Bon, je sais pas. C'est simplement mon point de but vue. But I think it's very important that, of course, we are all equal and we have to really respect each other, no matter our gender. It doesn't really matter. Mais je crois que c'est très important. Bien sûr, nous sommes tous égaux et nous devons nous respecter les uns les autres, et peu importe notre genre. Yeah. No matter the gender or the position or the responsibilities or the experience or the wisdom, whatever, it doesn't matter. You have to treat everybody the same way. Peu importe et le genre ou le statut ou la position, la profession ou la sagesse même. Et peu importe, il nous faut respecter exactement, nous traiter de la même façon. You speak with respect, with humility, with understanding, with empathy, parler with patience. Avec respect, avec humilité, avec compréhension, avec empathie, avec patience. Wow. Yeah. So that's basically my perspective about this. I can keep talking, but I think maybe. Is that okay for you? En essence, yeah? C'est mon point de vue. Je pourrais continuer à en parler. Mais... Okay. So, next one, patience. Non, suivant, la patience. Patience. La patience. So, I think most of us think we are very patient, no? Je crois que la plupart d'entre nous, nous pensons être très patients. No? Until something happens. Jusqu'à ce que quelque chose arrive. When we are stressed, many things, maybe not just one thing, maybe one thing happens, tac, 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 then it starts building up, and then? Quand nous sommes stressés, donc il y a une chose qui arrive, une autre, et puis ça s'empile, et puis alors? And then there's one moment, et il y a un instant, that we permit to lose patience. Où nous nous permettons de perdre la patience. Because we think we have the right. Parce que nous pensons avoir le droit. We justify the fact that we can talk this way or act this way. Et donc, nous justifions le fait que nous pouvons parler ou agir de cette façon. But obviously, it's ridiculous. Mais de manière évidente, c'est ridicule. Because afterwards, we will regret. Parce que sinon, après, on va le regretter. There's only very, very, very few cases.
il y a seulement que de très très rares cas where it's good to be wrathful, où il est bon d'être courroucé. But only with certain wisdom behind and empathy, of course. Mais seulement avec une certaine sagesse derrière et avec de l'empathie, bien sûr. Otherwise, it's counterproductive. Sinon, c'est contre-productif. Most of the times, if you touch the other person's ego, they shut down. La plupart du temps, si vous touchez l'ego de l'autre personne, elle se ferme. And then they don't listen. And then there's no communication. Il y a plus de communication. Or maybe they'll say also something. Ou peut-être qu'elle va And then your ego also jump. Et votre ego également va bondir. And then it becomes totally useless. Et ça devient alors complètement inutile. It's like the Tibetan saying. C'est comme l'expression tibétaine. When you stir shit. Quand vous et mélangez de la merde. All you get is a smell of shit. Ben, tout ce que vous allez réussir à obtenir, c'est l'odeur de la merde. Yeah. That's, I like the Tibetan sayings. They're very wise. Simple but wise. Yeah, so it's always, as even if you have very positive intention, même si vous avez des intentions très positives, I think if you talk with empathy, with humility, it's always going to have a very positive effect. Je crois que si vous parlez avec humilité, avec empathie, ça aura toujours un effet très positif. And if it doesn't work, et si ça ne marche pas, then it's not your problem. Alors c'est pas votre problème. You can't take it personally. Vous ne pouvez pas le prendre personnellement. Yeah. You don't have to take responsibility for everybody's mistakes. Et vous ne devez pas prendre la responsabilité des erreurs de tous les autres. But the most important aspect of patience, mais l'aspect le plus important de la patience, is that you never have to have patience with anybody. C'est que, en fait, vous n'avez jamais à être patient avec qui que ce soit. You have to be patient with yourself. Vous devez être patient avec vous-même. Because that is where the patience lies. Parce que c'est là que repose la patience. You can't blame somebody, oh, I lost patience because he did this or she did this or they said that. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un et en disant « Oh, j'ai perdu ma patience parce qu'il ou elle a fait ceci ou cela. » It's ridiculous. C'est ridicule. The patience you lost with yourself. La patience, vous l'avez perdue avec vous-même. So as long as you have patience with yourself, donc tant que vous avez de la patience avec vous-même, and you know that you don't have the right, alors, et vous savez que vous n'avez pas le droit, to lose patience with anybody, including and especially starting with yourself, de perdre la patience avec qui que ce soit, y compris et à commencer par vous-même. Then you can be patient with everybody. Alors, vous pouvez être patient avec tout le monde. Starting with yourself. À commencer par vous-même. So remember, next time you're about to lose patience, you're like, oh, I have to be patient with myself. Donc, souvenez-vous, la prochaine fois que vous êtes sur le point de perdre patience, souvenez-vous, oh, je dois être patient avec moi-même. Not with anybody else, with pas yourself. Avec qui que ce soit d'autre, mais avec vous-même. It's a very private, personal job. C'est un job très privé, très personnel. Yeah. So, and also, of course, you have to take responsibility. Et également, bien sûr, il vous faut prendre cette responsabilité. It's very easy to blame others. Devenir responsable. So easy. C'est si facile de blâmer les autres. Si oh, it's not my fault. I was very stressed, and then this happened, and then that happened, and then this happened, and then that happened, and then I lost patience. Ah, oh, c'est pas ma faute. Et j'étais très stressé. Il y a ceci qui est arrivé, cela qui est arrivé, et ensuite j'ai perdu patience. No. You lost patience with yourself. Non, vous avez perdu patience avec vous-même. And you always have the chance and the opportunity to not lose patience because. Et vous avez toujours la chance et l'opportunité de ne pas perdre patience parce que. Because the only reason that you lose patience is because you think you're very important. Parce que la seule raison pour laquelle vous perdez patience, c'est que vous pensez que vous êtes très important. And don't worry, you're not the center of the universe. Et pas de soucis, vous n'êtes pas le centre de l'univers. So no, you're important. Donc oui, vous êtes important. But you're not that important. Vous n'êtes pas si. This is like the saying. They say, "Be humble because you belong." Et c'est comme cette expression qui dit et soyez humble because you belong. Vous appartenez. Uh-huh. But you be proud. Mais soyez fier. Because you are. Parce que vous êtes. Right? It's beautiful what we are. The potential of a Buddha. C'est beau ce que nous sommes, le potentiel d'un Bouddha. So if you are able to use the ego, to use the pride. Donc si vous êtes capable d'utiliser l'ego, d'utiliser l'orgueil. Maybe I change the word pride, I change it to dignity. Peut-être que je vais changer ce mot d'orgueil là pour le mot de dignité. Then it can really help to improve. Alors ça peut vraiment aider à s'améliorer. Because basically in life it's or evolution or de-evolution. Parce que à la base, en fait, dans la vie, soit il y a évolution, soit il y a dévolution à l'inverse. The more you evolve, the easier it is.
to evolve. D'évoluer, plus ça sera facile d'évoluer. The more you de-evolve, the faster, the easier it is to de-evolve. Et plus vous dévoluez, plus ça sera rapide cette dévolution. The more positive thoughts and actions and speech. Plus il y a de pensées et d'actions et de paroles positives. The easier it is to do that every time. Plus c'est facile et de faire cela à chaque fois. And the more bad thoughts, negative actions, negative speech you have, the easier it is to go down that way. Et plus vous avez et de pensées, d'actions, de paroles négatives, et bien plus et c'est facile de retomber, de descendre. So it's never too late to start now. Donc il n'est jamais trop tard pour commencer maintenant. Because it's always now. Parce que c'est toujours maintenant. Yeah. Okay. Patience. Patience. And for me, I talk personally. Et pour moi, je pense que personnellement, every time I lose patience, I regret so much. Et à chaque fois que je perds patience, je le regrette tant. And even if I say sorry many times, et même si je dis désolé de nombreuses fois, it cannot really repair the mistake. Ça peut pas vraiment réparer l'erreur. Or the damage. Ou le dommage. The only good thing, positive thing that I can take from that. La seule chose vraiment positive que je peux en retirer is to look at myself, see my own ego. C'est de me regarder moi-même et de voir mon propre ego. How big it is, like a cathedral. Et comme il est énorme, huge. Comme une cathédrale énorme. So that is the only positive thing I see from losing patience. C'est la seule chose positive que je vois au fait de perdre patience. It's to observe that d'observer the reaction, cette réaction, the mechanism. Ce mécanisme. Where is it coming from? D'où il vient? How does it come? Comment il vient? And why does it come? Et pourquoi il vient? Mm-hmm. It's very three important questions you have to make every time you lose patience. Trois questions importantes que vous devez faire et à chaque fois que vous perdez patience. Yeah. And of course, if you lose patience, very important to say sorry. Et bien sûr, si vous perdez patience, c'est très important de dire pardon. Because it not only helps you to heal and to learn. Parce que non seulement ça vous aide à guérir et à apprendre. But it also helps for the other person to forgive. Mais également, ça aide l'autre à pardonner. You know, and many times, if they don't forgive, they carry that weight also. Et souvent, et si vous ne vous excusez pas, ils devront aussi et porter avec eux ce poids. So it's vice versa. Donc c'est vice versa. You know, when you forgive, quand vous pardonnez, you don't carry the weight of the mistake of the other person. Vous ne portez pas sur vous et le poids de l'erreur de l'autre personne. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Yeah. So something like that, no? Okay. Okay, number three, fear of lacking. Donc, numéro 3, la peur de manquer. Peur de manquer. Fear of lacking. I know I have a friend who's like that a little bit. They're always New Year's Eve. Et toujours, et pour le réveillon du they're always very, very paranoid, very worried that they're, oh, am I going to be in the right place for New Year? Ils sont toujours très paranoïaques, soucieux, et en se disant, il est toujours, et en se disant, oh, je ne serai pas au bon endroit pour le nouvel an. So many things happening, it's like you can only choose one place to be in, you know? Parce que bon, il y a tellement de choses à faire, mais vous ne pouvez être qu'à un endroit, ne choisir qu'un. So they suffer. And in the end, they project, they expect so much. Et au final, ils ont tant d'attentes. So wherever they are, ils projettent tant que où qu'ils soient. Even everybody celebrating, they're unhappy. Même si tous les autres sont en train de célébrer la nouvelle année, ils sont malheureux. Because they think, oh, somewhere else is better. Somewhere else, people are having more fun. Ils pensent, oh, il y a un autre endroit où ça doit être mieux, où les gens s'amusent plus qu'ici. Yeah. So then, in the end, after New Year, they're looking on the videos and the photos of everybody else, and they're like, oh, I should have gone here. I should have done that. Oh. Et puis au final, et ben, le lendemain, ils regardent les photos et les vidéos de tous les autres, et puis ils se disent, oh, j'aurais dû aller à tel endroit faire ceci. Yeah. It's a little bit like in life. C'est un peu comme dans la vie. Hein. Many times it happens to us. Souvent, ça nous arrive. You know, we are unsatisfied. On est insatisfait. And here we come into the first reason of suffering. Et ici, on en vient à la première raison de la souffrance. So, like in Star Wars, they say, you know? C'est comme ils disent dans La Guerre des Étoiles. C'est from the attachment. Et de l'attachement. Comes the suffering. De l'attachement vient la souffrance. But what brings the attachment? Mais qu'est-ce qui amène l'attachement? It's the fear. C'est la peur. Of losing. De perdre, de manquer. Hein? Yeah, fear. La peur. So the fear brings attachment, the attachment brings
suffering. La peur amène l'attachement, l'attachement amène la souffrance. And the suffering takes you to the dark side. La souffrance vous emmène vers le côté noir. So you become best friends with Darth Vader. Even though after he became good guy, no? Because inside he was good, always. Parce que à l'intérieur, il était toujours bon. And that's how it is. We all have the potential of Buddha, no matter what. Et c'est ainsi, nous avons tous ce potentiel de Bouddha, quoi qu'il arrive. So you can never say, oh, this person is a bad person, or this person doesn't deserve my respect, doesn't deserve my love. It's ridiculous. Vous ne pouvez jamais dire, oh, cette personne est une mauvaise personne, ou cette personne ne mérite pas mon respect ou mon amour. Because deep down inside, we all come from the same source. Parce que profond à l'intérieur, nous venons tous de la même source. Just love. L'amour. So... yeah, I don't want to go too deep there, otherwise. But I'm sure you all understand. It's the air we breathe. Et c'est l'air que nous respirons. We all share. Nous le partageons tous. Yeah? Just like the space. Comme l'espace. We all share. Nous partageons tous. Yeah? Anyways, fear of lacking. Donc, quoi qu'il en soit, cette peur de manquer. Yeah. So that fear is what brings the suffering. Donc cette peur, c'est ça qui amène la souffrance. Because we get attached. Parce que, et on devient attaché. The fear brings attachment. La peur amène l'attachement. Why are we attached? Pourquoi sommes-nous attachés? Because actually, if you think about it, parce qu'en fait, si vous y pensez, not even our body is ours. Et même notre corps n'est pas à nous. Because one day it becomes worm food. Parce qu'un jour, ça deviendra de la nourriture pour les vers de terre. It goes back to stardust. Et donc, ça retournera à la poussière d'étoile. Uh-huh. So, maybe temporarily, we can say, oh, did my body is mine. Donc peut-être que temporairement on peut dire oh mon corps est mien. But if it's really ours, we would know exactly what's going inside, no? Mais s'il était vraiment l'autre, et nous saurions exactement ce qui se passe à l'intérieur. But we have no idea what's happening. Mais en fait, nous n'avons aucune idée de ce qui se déroule là. We don't even know what's happening in our mind. Nous ne savons même pas ce qui se déroule dans notre esprit. Which is so subtle. Qui est si subtil. You know, I mean, imagine the body, it's gross and we still don't know about that, you know? Imaginez le corps, il est grossier et même pour lui, on ne sait pas ce qui se passe. You know, so it's very complicated. Donc c'est très compliqué. But it's very simple. Mais c'est très simple. And the complications, we make them. Et les complications, c'est nous qui les fabriquons. So when we stop complicating things. Donc quand on arrête de complexifier les choses. Then we can really see the simpleness of life. Alors, simplicity. Nous pouvons vraiment voir la simplicité de la vie. So why do we complicate everything so much? That is the question. Alors la question c'est pourquoi est-ce que nous complexifions tant les choses? Okay, but that's also another story. Bon, c'est également une autre histoire. So let's just focus on what we are talking about. Donc restons focus sur ce dont nous parlons. So we fear losing something that we don't own. Donc nous avons peur de perdre quelque chose que nous ne possédons pas. We fear of losing something we can never have or own. Nous avons peur de perdre quelque chose que nous ne pourrons jamais avoir ou posséder. You can say, oh, I bought a new car. Vous pouvez dire, oh, j'ai acheté une nouvelle voiture. But then tomorrow somebody steals the car. Mais si demain quelqu'un vole cette voiture. And then it's not your car. Alors c'est plus une voiture. The same thing happens to the body. Et la même chose arrive avec le corps. So if you have, you say, oh, it's my body. Si vous dites, oh, c'est mon corps. But then tomorrow suddenly you become sick and you die. And then where did your body go? Is it really yours? Mais demain et vous tombez malade et vous mourrez. Où est passé votre corps? So what is really yours? Et est-ce qu'il est vraiment à vous? Donc qu'est-ce qui est vraiment à vous? Your intention. Votre intention. Your karma. Votre karma. This can be yours. Ça peut être votre. And this you can work on. Et ça vous pouvez travailler dessus. Right? And you don't have to fear of losing that. Et vous n'avez pas à avoir peur de perdre cela. As a matter of fact, the real values, the interior values, les véritables valeurs, les valeurs intérieures, when you share, when you give, it multiplies. Quand vous les partagez, quand vous les donnez, elles se multiplient. And then it comes back 1,000 times stronger. Et alors, ça vous revient en retour des milliers de fois plus fort. So that's the real wealth. Donc ça, c'est la véritable richesse. The true value. Et la véritable valeur.
And that is, I think, something that inside the education system, maybe it's missing a little bit. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut être dans le système éducatif mm-hmm. et manque un peu. Because they teach us how to work, but they don't teach us how to live. Parce que et ils nous apprennent comment travailler, mais ils ne nous apprennent pas comment vivre. And we work to live, we don't live to work. Et nous travaillons pour vivre, et nous ne vivons pas pour travailler. Yeah. So that's why. So if instead of fearing of losing something or not gaining something, donc c'est pourquoi au lieu d'avoir peur de perdre quelque chose ou de ne pas gagner quelque chose, let's focus on what we really have. Et restons centrés sur ce que nous avons vraiment. Which is the intention. Qui est l'intention. And from there comes the karma. Et de là vient le karma. Yeah. So that is what we have to focus. Next time we have fear of losing or attachment or this and that, switch your mind. Donc c'est sur ça qu'il vous faut rester centré. La prochaine fois que vous avez de la peur ou de l'attachement ou ceci ou cela, eh bien, et changer la clé dans votre esprit. Yeah. Because I know, like there's a saying in English, the grass is always looks greener on the other side, no? Parce que je sais que comme dans cette expression est anglaise, et l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la rivière. But that's the only reason is because we're not looking inside, we're always looking outside. Mais la seule raison, c'est parce que nous regardons toujours vers l'extérieur et nous ne regardons pas vers l'intérieur. Because we don't realize that life for us starts from the inside, not from the outside. Parce que nous ne réalisons pas que la vie pour nous est part de l'intérieur et pas de l'extérieur. The understanding comes from the inside. La compréhension vient de l'intérieur. The learning comes from the inside. Et l'apprentissage vient de l'extérieur. Mm-hmm. The experience comes from the inside. L'expérience vient de l'intérieur. You know? So everything starts from there. Donc tout commence de là, part de là. So we focus on that. Donc nous nous centrons là-dessus. And if we can understand that properly. Et si nous pouvons comprendre cela correctement. Then we can understand the outside. Alors nous pouvons comprendre l'extérieur. Yeah, we can really be of benefit. Nous pouvons vraiment être bénéfiques. Because we see, we understand the reality. Parce que nous voyons, nous comprenons la réalité. So we can help others also to have that transformation. Alors nous pouvons aider les autres également à vivre cette transformation. Mm-hmm. And that intention we can call dharma. Et cette intention on peut l'appeler dharma. The intention in action. L'intention en action. Through the three, body, speech and mind. Par les trois, le mm-hmm. corps, la parole et l'esprit. Okay, so fear sometimes can save our lives. Donc la peur parfois peut nous sauver la vie. Because we have fear of losing our body or hurting ourselves. Parce que si nous avons la peur de perdre notre corps ou de nous faire du mal. So this is instinct. Donc il y a cet instinct. And thanks to that we are able to continue the evolution of the species, whatever you want to call it. Et grâce à cela, ben, nous pouvons et continuer l'évolution des espèces. But that's a different type of fear. Mais ça c'est une autre chose. You know, what we have to focus is why we have this mind fear, like me, this grasping. Nous devons et nous centrer sur pourquoi est-ce que nous avons cette et peur et dans notre esprit ce moi. And this is based on a pattern. Et ça c'est basé sur un schéma. It's a, how do you say patron in English? Patron? Pattern? Conditioning maybe? Condition? Yeah, pattern. Pattern. Habit. Yeah, habit, like conditioning. Donc, un conditionnement en fait que nous avons. And it's not just from this life, it comes from many lives. C'est un conditionnement qui ne vient pas seulement de cette vie, hein, qui vient de nombreuses vies passées. So we perceive a sensation. Donc nous percevons la sensation. We react to the sensation. Nous réagissons à la sensation. And then we create the conditionment. Et ensuite nous créons le conditionnement. And this conditionment is the base of suffering. Et ce conditionnement est la base de la souffrance. So you change the reaction that we have. Donc si vous changez la réaction que vous avez. Then we can eliminate the suffering. Alors vous pouvez éliminer la souffrance. Uh-huh. So how do we do that? By being more equanimous. Equanimous. En étant plus équanime. If we are neutral, si on est neutre, to the sensation, à la sensation, then we don't have to react. Alors on n'a pas à réagir. Because there's three types of reaction. Parce qu'il y a trois types de réaction. Grasping, et la saisie, neutrality, like indifference, I don't care, or rejection. Ou le rejet. So that's something that we have to also be able to change. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il nous faut être capable de changer. For example, compassion is for all sentient beings, not just for the people that you know or the close people. Oh, I have compassion for them, but then I don't have compassion for somebody else. This doesn't make sense. This is not real compassion. Par exemple, la compassion, ben, ça peut être pour tous les êtres.
c'est pas de la compassion pour ceux-là qui sont proches et pas pour les autres qui sont là-bas. Non, à ce moment-là, c'est pas de la compassion réelle. Like you can do prostrations, you can do meditation, mantra, this blah blah blah, everything, and then you go to a restaurant and you talk really bad to the waiter, for example. C'est comme si, par exemple, vous faites des prosternations et des prières et des mantras et tout ça, et puis que ensuite vous allez au restaurant et vous parlez de manière rude aux garçons. Uh-huh. Oh, whoever it is, you talk to somebody. Ou à qui que ce soit, mais vous parlez. Or maybe you don't treat yourself with respect. Ou peut-être que vous ne vous traitez pas vous-même avec respect. Like you say, oh, I'm stupid. Ou vous allez dire, oh, je suis stupide. And then the body believes it. Et ensuite le corps le croit. So that's also not good. Donc ça également, c'est pas bon. You know, so the practice, mainly like the prostration, the mantra, the meditation, all of this is complementary. Donc la pratique, principalement les mantras, les prosternations, tout ça, et en fait c'est complémentaire. But it's not the main practice. Mais c'est pas la pratique principale. The main practice is a warm heart. La pratique principale, et c'est un cœur chaleureux. Starting with yourself. And then commençant par vous-même, expanding from there. Et s'étendant à partir de là. Okay. D'accord. Okay. Number four, jealousy. Numéro 4, la jalousie. Jealousy. So, can I have some suggestions? What is jealousy for you? Est-ce que je peux avoir quelques suggestions? C'est quoi pour vous la jalousie? Any just one word, if you want, or maybe you can the combination of a couple words, but try to keep it short. Deux mots, mais que ça soit court. Hein. Envidia, envy. Frustration. Frustration. La frustration. Sorry? Possession. Ooh, wait, I have to write all this. Is becoming complex. So sorry, okay, wait. Frustration. Okay. The wish to have for oneself the happiness of others. Le souhait d'avoir pour soi-même le bonheur des autres. What is the other one you said somewhere? Possessiveness. What else? Teacher. Huh? Teacher. Oh, it can teach you. It's a learning. Teacher. You can learn through jealousy. I mean, learning. Okay. Teacher. What else? Un maître, on peut apprendre de la jalousie. Something else? Any? Quelque chose d'autre? Competitiveness. Okay. Wow. It's jealousy is becoming complex now, huh? Wow. Okay. I can. You see, for example, this one, frustration. This I can identify with jealousy. Donc par exemple, ce mot de frustration, ça je peux l'identifier. You know, jealousy, envy. This is one of the poisons. La jalousie, l'envie. Vous savez que c'est un des poisons. And you know why? Vous savez pourquoi? Because we judge. Parce qu'on juge. Without knowing. Sans savoir. Right. So for example, just an example. Okay, for example. Juste un exemple. In our society, we think the material wealth, accumulating material wealth is going to bring us happiness, for example. Dans notre société, par exemple, on pense qu'accumuler des richesses matérielles va nous amener du bonheur. So then when we see maybe billionaire, donc quand on voit par exemple des milliardaires, we see their lifestyle, on voit leur mode de vie, then we become jealous. Alors on devient jaloux. And actually, that's the purpose, you know, when you show off the sports car, the house, my lifestyle. The whole purpose is to make jealous to people. Et en fait, c'est le but, hein, quand les gens montrent leur belle voiture et leur belle villa, etc. Et tout le but est de rendre les autres... It's like the culture, no? A little bit. C'est un peu la culture, en fait. It's like, to boost my ego, I'm going to show off what I have. Donc, pour renforcer mon ego, eh bien, je vais montrer ce que j'ai. And that's supposedly going to make me happy. Et il est supposé que ça va me rendre heureux. But the truth is, it makes you miserable. Mais la vérité est que ça vous rend misérable. Because it's completely empty. There's no really meaning to it. C'est complètement vide. Il n'y a pas de sens à ça. But of course, because of our ignorance. Mais bien sûr, à cause de notre ignorance. We judge. On juge. We think that the other person is happy. That's what we want. That's what we need to be happy. Que l'autre personne est heureuse et que c'est ça qu'on veut. C'est ce que dont nous avons besoin d'être heureux. Because in the capitalistic society, we've been educated that way. Parce que dans la société capitaliste, on a été éduqué. To think like that, to compare. À penser comme ça, à se comparer. Oh, why don't I have that? Oh, I should have that. Moi, j'ai pas ça. Je devrais avoir ça. They're happy, I'm not. Ils sont heureux et pas moi. I want to be happy. Je veux être heureux. And then the jealousy comes. Et ensuite la jalousie s'élève. And then you poison yourself. Et ensuite vous
empoisonnez vous-même. You make yourself miserable. Et vous rendez vous-même misérable. But the truth is that the other person is much more miserable than you. Mais en fait, la vérité, c'est que l'autre personne est bien plus misérable que vous. Because material wealth is never going to make you happy. Parce que la richesse matérielle ne va pas vous rendre heureux. It's only dissatisfaction all the time. The more you have, the more you want. C'est simplement de la satisfaction permanente. Plus vous en avez, plus vous en voulez. The more you have, the more worry. Plus vous en avez, plus vous avez de soucis. The more problem. Plus de problèmes. The more desconfianza, how do you say? Plus de, l'opposé de la confiance. Distrust. The more distrust. Yeah, you distrust people. Et vous, vous n'avez plus confiance aux autres. Yeah. You don't know why, what is their intention. Parce que vous ne savez pas. And when you're when you have a lot of material wealth, and you, it's difficult to, you don't know what is the intention. Everybody wants a piece of your wealth, you know, piece of. Parce que vous êtes très riche et vous ne savez plus pourquoi, quelle est l'intention des gens qui interagissent avec vous et est-ce qu'ils veulent vous prendre votre richesse. So with the jealousy, we only focus on this very small perspective. Et donc avec la jalousie, eh bien, on est centré que sur cette petite, toute petite perspective. Mm-hmm. We don't realize all the other aspects. Et on ne réalise pas tous les autres aspects of suffering that the other person can have. De souffrance, de la souffrance que l'autre peut éprouver. So the moment you switch jealousy into compassion, et donc à l'instant où vous changez et vous passez et de la jalousie à la compassion, then you transform this poison. Alors vous transformez ce poison. Yeah, and then it becomes something really positive. Et alors ça devient quelque chose de très positif. Yeah. It's in Norbu, okay? Oh. And yes, possession. Et oui, et la, la possession. Hein? Possessiveness. Frustration. Was it possessivité. Wish to have? Le souhait d'avoir. Possession, learning, competition. Okay, so frustration. Non, frustration. We get frustrated through jealousy. Et la jalousie nous rend frustrés. Like I described before. Comme je l'ai décrit. Because we judge without understanding. Parce que nous jugeons sans compréhension. And that's when we get frustrated, you know, like me, I don't have enough. I don't have the right situation. I should have more. I deserve more. Why I don't have this? Why blah 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 blah. And then. Qu'on devient frustré et comme pour moi et où je vais me dire mais je n'ai pas suffisamment, je mériterais plus, pourquoi est-ce que je n'ai pas ça, etc. And in the end you become miserable. Et à la fin et on ressort de ça misérable. And you are not able to appreciate the gift of life. Et on n'est pas capable d'apprécier le cadeau qu'est la vie. Yeah. So precious. Si précieuse. Moment to moment. Instant après instant. So the moment we are able to appreciate what we have here and now. Donc, dès l'instant où on est capable d'apprécier ce que nous avons ici maintenant, we have compassion, alors nous avons de la compassion, and the intention to help, et l'intention d'aider, then that's a real happiness. Et alors, bah, c'est le bonheur réel. That's the true happiness. C'est le véritable bonheur. You don't want anything else, really. Nous ne voulons rien d'autre. I mean, the body needs food, of course. Bon, bien sûr, le corps a besoin de. And good company and warmth at night and shelter and blah blah blah. It becomes more and more complicated. De bonne compagnie et d'abri pour la nuit et de nourriture, etc. Bon, but the basic is to have a happy mind. Mais à la base, ce qu'il faut, c'est avoir un esprit heureux. And everything else will follow. Et tout le reste va s'en suivre. Because the body follows the mind. Parce que le corps suit l'esprit. So if you have a happy body. Donc si vous avez. I mean, sorry. If you have a happy mind. Si vous avez un esprit heureux. Then your body is happy also. Alors votre corps sera heureux aussi. Because your mind influences the body. Parce que votre esprit influence le corps. You know, if you are depressed, your body becomes depressed. Si vous êtes déprimé, votre corps devient déprimé. All the cells become depressed. Toutes les cellules deviennent déprimées. You know, so it's good to dance sometimes. Donc c'est bien de danser parfois. It's good to listen to music c'est sometimes. Bien d'écouter la musique parfois. You know, good to eat good food, healthy food. C'est bien de manger de la bonne nourriture. To exercise. Exercise, have positive thoughts, d'avoir des pensées positives, intention to help. L'intention d'aider. And all this et tout ça will bring you vous amènera what we call happiness. Et le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur, en fait. But there's not really such thing as happiness. It's just a concept. Y a pas vraiment quelque chose qu'on puisse appeler bonheur, c'est simplement un concept. It's happiness is if it was real, which is, but it's another level, it would be a state of mind, a constant state of mind. Parce que le bonheur, et s'il était réel, et serait en fait un état d'esprit constant, permanent. Some people call it liberation from samsara. Bon, ce qu'il est, en fait, certaines personnes appellent ça la libération. Or nirvana, or. But that is, you know, so the moment you
have these small, you know, details. Mais donc, et c'est ça, à l'instant, vous avez ces petits détails. Mm-hmm. Then you create the cause not to be unhappy. Alors vous créez la cause de ne pas être malheureux. And that for now is more than enough. Et ça, pour l'instant, c'est déjà est tout à fait suffisant. You know, as long as you're not unhappy, you're doing good. Parce que dès que vous n'êtes pas malheureux, ben en fait, ça va bien pour vous. Because the happiness we're looking for is very temporary. Parce que le bonheur que nous cherchons, nous, est très temporaire. No, and we can be is grasping, something that you cannot never catch. Et donc on s'accroche, on saisit, on ne peut jamais l'attraper. You know, so it doesn't really make sense. Donc ça n'a pas vraiment de sens. I want to be happy, yeah, but you don't even know what that is. Je veux être heureux, mais en fait, vous savez même pas de quoi il s'agit. We have a concept. Vous avez un concept? Yeah, but once we say, oh, maybe when I get this car, or when I have the beautiful girlfriend, when I have a nice house and a family and this and that, or the good job that pays very well, all these concepts, or when I become, I have a realization, or when I, if I do, if I have the opportunity to meditate, to practice Dharma, then I'll be happy. This concept, it doesn't, it, Et donc, une fois que vous vous êtes dit, ah, et je sais, et c'est le bonheur, ça sera quand j'aurai cette belle voiture que je veux, quand j'aurai cette belle petite amie, ou quand j'aurai ce superbe job, ou quand j'aurai finalement les conditions pour méditer, etc. Et donc, vous avez ce concept. But when it happens, mais quand ça arrive, then the concept changes. Et le concept se transforme. We have another concept. Il y a un autre concept qui apparaît. I have a friend that was studying the, I think, master's program in Lama Tsongkhapa. J'ai un ami qui étudiait, je crois que c'était le master's program à l'Institut Lama Tsongkhapa en Italie. And I asked her, do you do meditation? Just a friend. I asked her if she does meditation. Et donc, j'ai demandé à cette amie, est-ce qu'elle méditait? She said, no, now I'm just studying. When I have a cave, I will meditate. It's a little bit like that. No, we create this concept. On crée ce concept. When I have the cave, the perfect conditions, then I will practice. Quand j'aurai la grotte, quand j'aurai les conditions parfaites, alors je pratiquerai. But the perfect conditions, they're always now and here. Mais les conditions parfaites, elles sont toujours ici. They're nowhere else. Et nulle part ailleurs. Concept is a concept. Un concept, c'est un concept. It's like a thought, comes and goes. C'est comme une pensée, elle va, elle vient. Like the clouds. Comme les nuages. You go to grab them, you can't touch, you can't si grab. Si vous voulez l'attraper, vous pouvez pas le saisir. It looks real. Il a l'air réel. But it's empty. Il est vide. So that's why we get frustrated based on our ignorance. Donc c'est pourquoi nous devenons frustrés sur la base de notre ignorance. Based on the comparison. Sur la base de cette comparaison. Based on the ego that doesn't exist. Sur la base de cet ego qui n'existe pas. Yeah, and the possession, all this brings suffering. So. Et ces possessions, tout ça, ça amène de la souffrance. So we have to be able to switch that. Donc il nous faut être capable et de switcher, de passer à autre chose. Observe your mind, observe how the mind works, the mechanism. Observez votre esprit, observez les mécanismes de votre esprit. The conditioning. Le conditionnement, les conditions. The pattern. Les schémas mentaux. You know, even if you can't think about all the past lives, at least think about in this life. Même si vous ne pouvez pas penser aux vies passées, au moins réfléchissez, contemplez à propos de cette vie même. So it's not easy from one moment to another to change, but when it happens, as long as we are aware, then it creates the conditionments to slowly change. No? Donc c'est pas facile, d'un instant à l'autre ça change, et mais au moins si vous êtes capable d'être conscient de cela. Mm-hmm. Sorry. Oh. We create the conditions for the change to occur. Au moins, nous créons ainsi les conditions, les conditions pour que le changement arrive. Yeah, we cannot change ourselves. Parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. But we can create the conditions for that change to occur. Mais nous pouvons créer les conditions pour que ce changement survienne. Okay. Do you want to have a pipi break? Est-ce que vous voulez faire une pause pipi? It's 17:17. Il est 5h17. Yeah? Okay, so we can do PP because we're only halfway through now. Less than half. On a fait la moitié à peu près, donc on peut faire une pause. Yeah. C'est bonne idée? C'est bonne idée? C'est une bonne idée? Okay, all right. Okay, thank you. Hello again. I forgot to mention something at the beginning of the talk. J'ai oublié de mentionner quelque chose au début du discours.
It's just that all I wanted to say was that actually there's nothing for me to teach. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a rien que je puisse enseigner. All I can do is remind people of what we already know. Tout ce que je peux faire, c'est de rappeler aux gens ce que nous savons déjà. Yeah. So I just wanted to clarify that part. Donc, je voulais simplement clarifier cette partie. Yeah, I'm not a teacher. I'm just a friend who helps you to remind you. Je suis pas un maître. Je suis simplement un ami qui vous aide à vous souvenir. I need a lot of reminding too. Et moi, j'ai également besoin qu'on me rappelle beaucoup les choses. So we help each other. Donc, on s'aide les uns les autres. Yeah. And like they say, you know, the real friend is the one who criticizes you in front of you. Et comme ils le disent, hein, le véritable ami, c'est celui qui vous critique devant vous. Constructive criticism. La critique constructive. And behind your back, they talk very good about you. Et dans votre dos, ils parlent très bien de vous, mais... That's a real friend. Ça, c'est le véritable ami. Okay, so we were finishing jealousy, but I think I remember there's one very important aspect about jealousy. Et donc, on allait terminer à propos de la jalousie, mais je me suis souvenu qu'il y a un aspect très important de la jalousie. Is the, you know, the girlfriend boyfriend, boyfriend girlfriend jealousy aspect. Et sous l'aspect de la jalousie entre petit ami et petit ami, vice versa. The grasping one. Donc c'est là celui qui implique de la saisie. The anger jealousy. Et la jalousie du colérique. Yeah. So, so it happens. It happens all the time, right? First, you love somebody. Donc ça arrive tout le temps. D'abord, vous aimez quelqu'un. I mean, obviously, it's not real love. Donc vous êtes amoureux. De manière évidente, c'est pas de l'amour véritable. It's attachment. C'est de l'attachement. Why am I saying it's not real love? Et pourquoi est-ce que je dis que c'est pas un amour véritable? Two reasons. Deux raisons. One, because okay. It brings suffering afterwards. Parce que ça va amener la souffrance après. And number two. Et numéro deux. You can hate as much as you can love. So you say, oh, I love you. The next day, oh, I hate you, I hate you. So that's why that type of love is not the real love. Just temporary attachment. The real thing is that we get attached to the feeling that the other person makes us feel. Et le truc est en fait vraiment, c'est que nous nous attachons et à la sensation que nous fait ressentir le We're not even attached to the person, we're attached to the feeling that they give us. On n'est même pas attaché vraiment à la personne elle-même, on est attaché à la sensation que nous fait ressentir. Or better said, the feeling that arises within us. Ou ce serait mieux de dire que la sensation qui s'élève en nous. Based on the presence of the other person. Sur la base de la présence de l'autre personne. Or our projection. Ou de notre projection. And sometimes we either idealize. Et parfois on idéalise. And when we idealize, et quand on idéalise, then after it's like tush 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 tush. Après, ben c'est comme une claque. It's like slapping ourselves. Et on se et met des claques à nous-mêmes. So that's why, you know, like we have to be able to differentiate this one. Donc il faut que nous soyons capables de différencier cela. So the jealousy comes from the not the real love one. Donc la jalousie vient quand c'est pas de l'amour véritable. From the love, but the wrong concept of love. De l'amour, mais pas l'amour véritable, pas le bon concept de l'amour. Because if it's real love, unconditional love. Parce que si c'est de l'amour réel, véritable, inconditionnel. Then if the other person is happy, we would be happy, right? Alors, si l'autre est heureux, ben, nous serions heureux nous aussi. So if the other person goes with someone else, we'd be like, oh, I rejoice, I'm so happy. You're happier with them? Oh, great. Et donc, si l'autre part avec quelqu'un d'autre, eh ben, on va se dire, oh, mais super, je me réjouis, tu es heureuse avec lui ou elle, et super. But I think there's very few people who can react like that. Mais je crois qu'il y a très peu de personnes qui peuvent réagir ainsi. I have a friend actually who is like that. J'ai un ami en fait qui est comme ça. A couple. Mais un couple. They've been together now maybe 12 years or more. 13, maybe 13. Au moins 12 ou 13 ans qu'ils sont ensemble. And while they were together. Et donc pendant le temps qu'ils ont été ensemble. The girl has had 4 relationships. Et la fille a eu 4 relations différentes. One 3 months, another 4 months, another 8 months, like that. Une de 3 mois, une autre de 4 mois, une autre de 8 mois. So within the relationship, she has other relationships. Et donc tout en étant avec lui, bah, elle avait des relations avec d'autres hommes. And he's super happy all the time. Lui super content, heureux tout le temps. Il s'en fout. He doesn't care. So that for me it was wow, you know, how is that possible? Donc ça pour moi je me suis dit wow, comment est-ce que c'est possible? And he said, oh no, but you know, it's okay, it doesn't matter, she's happy, I'm happy, it's fine.
I'm not saying that's the right thing to do. Because it's very, very, very risky. Very, very risky. It can create a lot of problems, a lot of conflict. You know? And jealousy can come up very easy. But in this case, which is very rare, I've seen it. And as a matter of fact, they have a kid now. They have a daughter. Very close friends of mine. Yeah. And now they're together, very, very happy. So, you know. So, the guy, he's my hero. I love him very much, very close. Yeah, I always tell him, how do you do it? And he's like, well, I don't know. It's just the way I am. He doesn't care, you know, he's just unattached. He focuses on the happiness of the other person. It's not possessiveness. It's not, I want to be happy. It's a desire of the happiness for the other. C'est le désir du bonheur de l'autre. That you can call love. Ça, vous pouvez pas appeler ça amour. My own happiness, I want to possess because that, you know, my happiness, that's not the real love. Mon propre bonheur, je veux posséder. Et non, ça c'est pas de véritable. And I'm sure when you say that, you can say, oh, I love you every day, 10, 15 times. Et bien sûr, et quand vous dites cela, vous pouvez dire, oh, je t'aime 10, 15 fois par jour. And then when 1 second something happens and the anger comes out or the whatever comes out, you know. Et un instant, quelque chose se passe et la colère s'élève. And then you say, sorry, sorry, and then, oh, I love you, I love you. Et ensuite, vous dites, oh, pardon, pardon, et puis, oh, je t'aime, je t'aime. And the next day, oh, I hate you. Et le suivant, je t'aime. But it's true that hate and love, they're quite linked together. Mais c'est vrai que la haine et l'amour sont plutôt liés. Is, according to what I understand, the opposite of love is indifference, not hate. Mais selon ma compréhension, l'opposé est de l'amour, c'est l'indifférence, c'est pas la haine. But that's another story. Mais bon, c'est une autre histoire. So that was part of the jealousy topic. Donc ça, ça fait partie du sujet de jalousie. I think it's an important part to cover, just to be clear. Et je pense que c'est une partie importante à couvrir, simplement pour être clair. So be aware of that. Donc d'être conscient de cela. Yeah. Okay, number 5. Bon, numéro 5. Discipline. I think this one is a quite difficult one. Donc je crois que ce sujet-là, c'est un sujet plutôt difficile. It sounds easy. Parce que ça sonne facile comme ça. To think of it is easy. Donc, think. Pensez-y comme quelque chose de facile. To say it is easy. Donc y penser, c'est facile. But to do it, c'est facile. To do it temporarily is easy. Le faire temporairement, c'est facile. The difficult part is to maintain. Mais la partie difficile, c'est de maintenir cette discipline. The main part of discipline is constance. Parce que la partie essentielle, principale de la discipline, c'est la constance. Without constance, there is no discipline. Sans constance, il n'y a pas de discipline. Without discipline, you cannot benefit anybody. Et sans discipline, vous ne pouvez être bénéfique à quiconque. So if you want to benefit, first you start with discipline. Donc si vous voulez être bénéfique, d'abord vous commencez avec la discipline. And you start with your mind. Vous commencez avec votre esprit. Mm-hmm. So it's the mind, you can think of it like a monkey. Donc l'esprit, vous pouvez l'imaginer, y penser comme un singe. Or better, like a wild animal. Ou mieux, comme un animal sauvage. A crazy wild animal. Un animal sauvage fou. It can really hurt you and can hurt others. Peut vraiment vous faire du mal et peut faire du mal aux autres. So we have to be able to tame it. Donc nous devons être capables de le dompter. That's the first step. Ça c'est le premier pas. For discipline. Pour la discipline. If you can't tame your mind, parce que si vous ne pouvez pas dompter votre esprit, then you forget about discipline. Alors vous allez oublier à propos de la discipline. And forget about helping others. Et vous allez oublier à propos d'aider les autres. You can just sleep until 4 in the afternoon. Et vous pourrez rester à dormir jusqu'à 4 dans l'après-midi. Doesn't matter. You have back pain. Then you have headache. So discipline. Very important. For example, like some people, it's very easy to wake up early in the morning. Par exemple, pour certains, c'est très facile de se réveiller tôt le matin. I have friends at 7 a.m. They open eyes. J'ai des amis à 7 heures, ils ont les yeux grands. And they're active, very active, and they're all this and that, already making lists. Oh, what am I going to do today? Ils font des listes déjà. Tac 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 tac. And then people like me. Et des gens comme moi. 8 o'clock. Oh, okay, a little bit more. Oh, okay. Oh, 9 o'clock. A little bit more. 9:15. Okay. 9:20. Then maybe 9:30 and 10 o'clock. I get up. Peut-être à 9h30, 10h, je me lève. And then I feel bad. Et ensuite, I say, oh, I wasted already 3 hours. So already I start with my bad foot when I can. Donc déjà je commence par une mauvaise pensée. So this is not discipline. Ça, c'est pas de la discipline. So then I cannot be a benefit. Non, je peux pas être bénéfique alors. No, so
it has to start in the beginning, you know. Sometimes hardship. Donc il faut commencer au début, parfois des épreuves. Difficulty. Des difficultés. You can reap the best reward. Et vont vous permettre, eh bien, de récolter les meilleures récompenses. That's the nature for humans. It's like that. Et c'est la nature, hein, pour les humains, c'est comme ça. The harder you work, plus dur vous travaillez. The more difficult the challenge. Plus difficile est le challenge. The better the satisfaction. Plus meilleure sera la satisfaction. The happier you are, the result. Plus heureux vous serez, yeah, qu'en résultat. Yeah. More satisfied. Plus ce sera satisfait. It's like the computer games, you know. C'est comme des jeux de ordinateur. The computer games that are very successful. Donc les jeux d'ordinateur qui sont très qui ont beaucoup de succès. C'est because they're very difficult. C'est parce qu'ils sont très difficiles. The easy ones. Les faciles. Like Pac-Man. Comme Pac-Man. You know, after a while you're bored. Après un certain temps, ça va vous ennuyer. You know, but the difficult ones, you keep playing, and then, oh, challenge, then you enjoy it, because when you win, you're like, oh, yeah, I accomplished something. Vous jouez, défi après défi, et là, vous y prenez plaisir, parce que et quand vous gagnez, ben, vous avez, yeah, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Even if it's a two-dimension screen, même si c'est un écran en deux dimensions, you still get a little bit of satisfaction. Et vous allez quand même obtenir un peu de satisfaction. But then you're dissatisfied because you want to keep playing. So it's a little bit like life also, you know. Vie, hein, but the life is different. It's very different, you know. It has many more dimensions and aspects. So discipline for each person is different, you know. For example, pour chacun, c'est différent, hein, par exemple. Like the person who is easy to wake up at 7 a.m. May they wake up 7, no problem. Bon, se réveiller à 7 heures, aucun problème. But then maybe they have an addiction problem. They smoke lots of cigarettes. Mais bon, peut-être, bon, pour elle, se réveiller à 7 heures, c'est très facile, mais peut-être que cette même personne, elle va avoir un problème d'addiction, qu'elle fume beaucoup de cigarettes. And they cannot stop. Et qu'elle est incapable d'arrêter. So they don't have the discipline to stop, even if they want to. Et donc, elle n'a pas cette discipline d'arriver à arrêter, même si elle le veut. So discipline comes in many different aspects. Donc la discipline avec des aspects très différents. It's not just the schedule that you follow every day. C'est pas simplement le planning qu'on suit chaque jour. So it's up to you, you know, how you feel that the real discipline should be in. Donc ça dépend de vous et ce que vous ressentez que devrait être la véritable discipline. But mainly for everybody is the same. We have to discipline to tame our mind. First of all, mais principalement, et pour tout le monde, il y a une chose qui est semblable, c'est qu'il nous faut d'abord dompter notre esprit. To understand the nature of the mind. Pour comprendre la nature de l'esprit. Mm-hmm. Discipline. Discipline to control the thoughts, the intentions. La discipline pour contrôler les pensées, les intentions. The habits. Les habitudes. Habits, very dangerous. Les habitudes, c'est très dangereux. Can be also very beneficial. Ça peut aussi être très bénéfique, mais depends on you. Ça dépend de vous. The more you do it, the easier it is to do. Plus vous le faites, plus c'est facile pour vous à faire. That's the advantage and disadvantage of the habit. Et ça, c'est les avantages et les inconvénients des habitudes. It's the nature of of the human, you know, of the. C'est la nature humaine. You know, the more we do something, the easier it becomes to do that. Plus on fait quelque chose, plus facile ça devient de le faire. So you choose when you see that you have a habit. Donc vous choisissez quand vous voyez que vous avez une habitude. If you are unhappy with the result. Si vous êtes pas content du résultat, then you have to discipline yourself. Alors il vous faut vous discipliner. Yeah. I think discipline can have very good results. Et je crois que la discipline peut avoir de très bons résultats. If you know what's good for you. Si vous savez ce qui est bon pour vous. And what's not good for you. Et ce qui n'est pas bon pour vous. That's up to you. Ça dépend de vous. Even though sometimes the mind can fool you, try to play tricks on you, you know. Parfois votre esprit peut essayer de vous tromper, de vous jouer des tours. Yeah. So sometimes you convince yourself, oh, I had no choice. Or it's too difficult, or it's not possible. Donc parfois vous convainquez vous-même, oh, j'avais pas le choix, ou c'est trop difficile. Or, it doesn't matter, it's not so important. Peu importe, c'est pas si important. Oh, it's okay. Oh, ça va. In the Spanish way, I'll do it tomorrow. Manière espagnole, je ferai demain. But Mediterranean way, maybe. Mediterranean way. demain, you know, it never comes. Tomorrow never comes. Mais demain ne vient jamais. So without discipline, it's very difficult to accomplish anything. Donc sans discipline, il est très difficile d'accomplir quoi que ce soit. Because I mean, we can learn small things every day.
Parce que nous pouvons apprendre de petites choses chaque jour. But the improvement, the learning is a constant. Mais l'amélioration et l'apprentissage viendra avec la constance. Mm-hmm. So that's I think discipline is one of the strong pillars of one's practice. Donc je crois que la discipline est un des forts piliers de notre pratique. Yeah, without discipline, very difficult. Sans discipline, c'est très difficile. Yeah. And sometimes I think, you know, I this is different subject, okay, but I have a friend, he passed away actually 2 years ago. Parfois je pense, bon, en fait c'est un sujet différent, mais j'ai un ami et en fait il est mort il y a 2 ans. He used to say animals are much more intelligent than humans. Et donc il avait l'habitude de dire les animaux sont beaucoup plus intelligents que les humains. When they wake up, quand ils se réveillent, they don't need anything. Ils ont besoin de rien. They don't need toothbrush. Ils ont pas besoin they don't need a bed, the clothes, ils ont pas besoin d'un lit, or shoes, or you know, all these things that the humans need. Toutes ces choses dont les humains ont besoin. They wake up, they already have their clothes on. Et ils se réveillent, ils ont déjà leurs vêtements sur. They come out and oh, they enjoy. Ils sortent et puis profitent. Like that, so it's a joke, you know. Like, but sometimes when you think about it, you say, okay, maybe, you know, like animals are much more practical than humans. Mais parfois, si on y réfléchit, on pourrait se dire, ah, mais les animaux en fait sont beaucoup plus pratiques que. Even though the animal realm is pure suffering. Même si le royaume animal c'est de la pure souffrance. Constant suffering. Mais de la souffrance constante. So, fear. La peur. Of getting eaten. D'être mangé, getting attacked, no the food, d'être attaqué, you know, competition, manger, all these things. So, another friend, the Indian guy. Pardon, j'ai un autre ami, un gars indien. He used to tell me, I always pray. He's Hindu, right? Il est hindou, donc il avait l'habitude de me dire, je prie toujours. He said, when I pray, please, you know, if I'm reborn, I would like to be reborn as a dog in America, in the United States. Il me disait toujours, quand je prie pour renaître en tant que chien et aux États-Unis. Because they have much better lives than human beings. Ils ont des vies bien meilleures que les êtres humains. They live 5-star luxury life, they're taken care of, and they have bed and best food. Ils vivent des vies 5 étoiles, ils prennent soin d'eux, ils ont une bonne couche et la meilleure nourriture. Yeah, you know, so some people have that kind of concept. You know. Il y a des gens qui ont ce genre de concept. Mais. But luckily we know, you know, that the human rebirth is so precious. Mais heureusement, donc, nous savons que la renaissance humaine est si précieuse. And we have the opportunity to practice Dharma, that's why. Et pourquoi? Parce que nous avons l'opportunité de pratiquer le Dharma. Because we suffer and we are able to enjoy at the same time. Parce que nous souffrons et nous sommes capables de profiter en même temps. If it's only enjoyment, mais si c'était seulement du plaisir, then we have no thought to practice. Alors, il n'y aurait pas de pensée de pratiquer qui serait. Because we're just always in bliss. Parce qu'on serait toujours dans le plaisir, la félicité. And if we don't suffer, et si nous ne souffrons pas, then we're not aware that maybe there's something wrong, that we have to do something. Alors, peut-être nous ne sommes pas conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il nous faut peut-être faire quelque chose. So, for example, if you're a god, then it's all complete bliss, and then you don't think about practice until the very last moment. When it's donc, too late. Par exemple, si vous êtes un dieu, eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans la félicité permanente et ben, vous n'allez pas penser à la pratique jusqu'au moment où arrive votre mort, mais à ce moment-là, c'est trop tard. So when the karma finishes, you go straight down to the lower realm. C'est quand le karma se termine, alors, eh ben, vous allez droit vers les royaumes inférieurs. But if you're reborn as an animal, a hungry ghost. Mais si vous prenez renaissance comme animal ou comme esprit avide. So you're suffering so much, you have no time to practice. You don't have the capacity or even the thought to practice. Alors, vous so much suffering. And this same case also happens in the human realm. Et ça arrive aussi dans le royaume humain. People who just so much material wealth enjoy. Des gens qui ont tant de richesses matérielles qu'ils profitent. And only when they get very much older and they're about to die, then they have the thought, oh, you know, I wasted my time. Et c'est seulement quand ils deviennent beaucoup plus vieux et tout d'un coup ils se disent, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? I didn't do anything for anybody. J'ai rien fait pour personne. And the same thing happens to people who suffer a lot. Et puis la même chose également arrive à des gens qui souffrent énormément. They suffer so much. Sometimes in the culture they create hate and then they suffer and then they want to give suffering also. Et ils souffrent tant que, et parfois, et dans certaines cultures, on va vouloir que les autres souffrent également. On souffre tant qu'on voudrait que les autres souffrent. It's a vicious cycle. C'est un cercle vicieux. So we are very, very lucky to be able to have a little bit of both, but at the same time to have this perfect human rebirth. Donc nous avons cette chance incroyable de, en même temps, avoir un petit peu des deux.
et puis d'avoir cette précieuse renaissance humaine. Then we can take the middle path and then evolve through there. Et donc nous pouvons prendre la voie du milieu et puis évoluer par cette voie. And make a difference. Et faire une différence. So we can help the people who are enjoying too much. Et ainsi nous pouvons aider les gens qui profitent trop, se complaisent trop. It's temporary enjoyment. Donc des plaisirs temporaires. And also help the people who are suffering all the time. Et puis nous pouvons également aider ceux qui souffrent tout le temps. Even though it's temporary suffering. Même si c'est de la souffrance temporaire. So anyways, we have this big opportunity, so don't waste it, that's what I'm trying to say. Donc quoi qu'il en soit, nous avons cette grande opportunité, donc ne la gaspillons pas, c'est ce que j'essaie de vous dire. So discipline is a pillar. Donc la discipline, c'est le pilier. Even though I'm not an example, I ask you please, you know. Même si je ne suis pas un exemple, je vous demande s'il vous plaît. So don't use me an example. Donc you can use like His Holiness the Dalai Lama or Lama Sobar Muje as an example. That's. Mais utilisez Sa Sainteté Dalai Lama ou Lama Sobar Rinpoche comme exemple. Yeah, they are the real living example, you know. Parce qu'ils sont les vrais exemples vivants. Yeah. So. so discipline, okay. Donc la discipline, d'accord. Okay, number six, attachment. Numéro 6, l'attachement. Oh, and partners. Partners. Hein? Attachment. So we've gone through with the jealousy, we already talked a little bit of that. Bon, avec la jalousie, on a déjà un peu parlé, mais... By the way, there's an empty seat here if somebody wants to take. Quelqu'un veut s'avancer, là, two seats, deux, just in case. Deux places, if you want. So attachment, we all already talked about attachment, you know. Donc l'attachement, on a déjà parlé de l'attachement. Mais... Grasping, you know, grasping. Et la saisie. Wanting more. Vouloir plus. The more you have, the more you want. Plus vous avez, plus vous en voulez. The less you have, the less you want. Et moins vous en avez, moins vous en voulez. Even though you can project, you know, you project. Et même si on peut projeter. But the thing is, for example, it's like some people they say, oh, money is bad. Mais le truc c'est que par exemple, pour certaines personnes, par exemple, ils disent l'argent c'est mal. And it's true, money, influence, power can corrupt you. Et c'est vrai, l'argent, l'influence, le pouvoir peuvent vous corrompre. But it depends on the person, how they use it, how the intention that you have. Mais ça dépend de la personne, comment l'utiliser et l'intention que vous avez. If the intention is selfish, 100% will corrupt you. Et si l'intention est égoïste, à 100%, c'est sûr que ça va vous corrompre. But if the intention is pure, of wanting to benefit. Mais si l'intention est pure et que vous voulez être bénéfique. Then the result can be very positive. Alors, le résultat peut être très positif. Yeah. Yeah, so actually we already covered attachment a little bit. En fait, on a déjà couvert un peu l'attachement. So we already did it actually. So en fait, on are you satisfied with the attachment part or not? Partners, attachment, yeah. Partenaire. Okay, anger. La colère, d'accord. Number 7, anger. So anger is very, very dangerous. La colère est très, très dangereuse. Because with 1 second of anger, you can burn so much good karma. Parce que avec une seconde de colère, vous pouvez brûler tant de bon karma. You know, you can really destroy a lot of good things that you create. Vous pouvez vraiment détruire beaucoup de bonnes choses que vous avez créées. To create is very difficult. I mean, to build, to create is very difficult. De construire, de créer est très difficile. But to destroy is very easy. Mais de détruire, c'est très facile. In 1 second, you can destroy something. En une seconde, vous pouvez détruire quelque chose. But it takes many, many years to create something. Mais ça prend beaucoup, beaucoup d'années de créer quelque chose. For example, if you look at an ant. Par exemple, si vous observez une fourmi. It's millions of years of evolution. Des millions d'années d'évolution. And some people, they're like, oh, or a mosquito, for example. Certaines personnes, par exemple, avec un moustique. Oh, it bit me. Ah. Oh, il m'a piqué. Il m'a piqué et tué. Tué. Ah. And then what? Can you put back the mosquito? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez faire renaître ce mosquito? Not in 1,000 years. You cannot. Non. You don't have that power. Vous n'avez pas ce pouvoir. But why do you have the power to destroy it? Mais pourquoi avez-vous ce pouvoir de le détruire? Who gave you the right to destroy it? Qui vous a donné le droit de le détruire? The concept of me. The ego. Ce concept de moi, l'ego. I am so important. Je suis si important. But we don't realize. Mais nous ne réalisons pas. That we don't have the right, you know. Que nous n'en avons pas le droit. Because we cannot create that. We Parce cannot. Que nous ne pouvons pas le créer. Even today, you know, if the scientists, the technology, with all the technology, all the wealth, all the engineers, you cannot build the pyramids.
Et même aujourd'hui, avec toutes les technologies qui existent aujourd'hui, eh ben, personne n'est capable de construire. The Japanese, they tried, they can't. Les Japonais, ils ont essayé, mais ils n'arrivent pas. Today, in the 21st century, they cannot make the pyramids, they cannot build the pyramids. Aujourd'hui, au 21e siècle, ils sont incapables de construire. With all the technologies they have. Avec toute la technologie qu'ils ont. So if you can't even build the pyramids, how are you going to rebuild an animal? Donc, si vous n'êtes même pas capable de construire une pyramide, comment allez-vous et faire renaître, faire reprendre vie à un animal? Something so small, so fragile. Quelque chose de si petit, si fragile. So that's why we really, you know, if you have respect for life, you have respect for yourself, you respect life. C'est pourquoi si vous avez du respect pour la vie, du respect pour vous-même, alors respectez la vie. So if you're humble and you're grateful, then that respect comes by itself. Et si vous êtes humble et reconnaissant, alors ce respect va venir tout seul. So if you get angry, it means you don't have this. You si don't, yeah. Vous mettez en colère, alors ça veut dire que vous n'avez pas ça. Means you're not humble, you're not respectful. Ça veut dire que vous n'êtes pas humble et vous n'êtes pas reconnaissant. Yeah, and plein de respect. Anger is very destructive. Donc la colère est très destructrice. You know, and then which is the result of anger? We all know. Et qu'est-ce que c'est le résultat de la colère? Nous le savons tous. I don't think anybody got angry and didn't regret. Je ne crois pas que qui que ce soit se soit un jour mis en colère et n'ait pas regretté ensuite. Unless your pride is so big. À moins que votre orgueil soit si énorme. That you can't see. Que vous ne pouvez pas voir. And that's the case for many people. Et ça, en fait, c'est le cas de beaucoup de gens. Your own pride completely blinds you. Votre orgueil vous aveugle complètement. You know, and you only look at the others. Et vous ne regardez que les autres. You know, you, it's your fault. I got angry because of you, like that. Ceci par cause de toi, etc. Yeah? Instead of saying, oh, you know, it's my fault. I got angry. I lost control. Au lieu de dire, oh, c'est ma faute à moi. Je me suis mis en colère. J'ai perdu le contrôle. I didn't have respect. Et ensuite de ressentir du respect. I wasn't humble enough. Et je n'ai pas été assez humble. I wasn't patient enough with myself. Je n'ai pas été assez patient avec moi-même. So then, even if you get angry for 1 second. Parce que même si vous mettez en colère pour 1 seconde. It's enough, you know, to. Suffisant pour. It's called destructive emotion. Et on appelle ça une émotion destructrice. And the emotion doesn't come out by itself. Et l'émotion ne survient pas toute seule. It is triggered by the thought. Elle est activée, déclenchée par une pensée. And the thought is based on the ego. Et la pensée est basée sur l'ego. On the me, I'm so important, I have the right. Sur le moi, je suis si important, donc j'ai le droit. Yeah. But if you ask yourself, why do you have the right? Mais si vous demandez à vous-même, pourquoi avez-vous le droit? We can't really find it. On peut pas vraiment trouver. No? Why do you have the right to hit somebody, for example? Pourquoi who gives you the right? De taper quelqu'un, par exemple? Who gives you the right to shout to somebody? Qui vous donne le droit de crier sur to insult somebody? D'insulter quelqu'un. No? We have absolutely no right. Okay. Even to ourselves. On a absolument aucun droit, même envers nous-mêmes. That's why I don't say these things like, oh, I'm so stupid, or like that. It's not very good, you know? Donc, ne dites pas de choses comme, oh, je suis si idiot, ou des choses comme ça, parce que c'est pas bon. Your body will believe it. Votre corps va le croire. And then you'll become stupid. No, I'm just joking. But it's not good, you know, to say those things. Is, you create a pattern, a habit, and then, you know, it's not really useful. You have to say, oh. Also saying the other extreme, oh, I'm so wise, I'm so important, also is not helpful, you know. So always try to keep the middle path, equanimity. Donc de dire ces choses, oh je suis si idiot, je ne vends rien, etc. Et ben ainsi vous créez un schéma, un conditionnement. Donc et c'est pas bon. Ou en sens inverse, de dire oh je suis si sage et si ceci. Ou, pareil. Donc toujours garder la voie du milieu. Try to keep the moderation. Essayez de garder la modération. Middle path. La voie du milieu. Then you can see more clearly. You can differentiate. Alors vous pouvez voir plus clairement. Vous pouvez faire la différence. And you don't make so many mistakes. Et vous ne faites pas tant d'erreurs. Even though as humans, we learn from the mistakes. Même si en tant qu'humain, on apprend de nos erreurs. But the big mistake is to keep doing the same mistake again and again. Mais la plus grosse erreur est de continuer à faire la même erreur encore et encore. So that's a real mistake. Alors là, c'est une véritable erreur. If you make a mistake, you learn from it. Parce que si vous faites une erreur et que vous en tirez une leçon. Then it's just a learning process. Alors c'est simplement un processus d'apprentissage. As long as you're aware of it. Tant que vous en êtes conscient. But the real mistake is when you keep doing the same mistake again and again and again. La véritable erreur, c'est quand vous continuez à commettre la même erreur encore et encore et encore. Life after life after life. So now is the time. Donc, c'est maintenant qu'il faut start now. Commencez maintenant. Not tomorrow.
Tomorrow will never come. Demain ne viendra jamais. Trust me. Fais-moi confiance. Okay. Anger. So, I would like to know, maybe some of you can tell me, why do you get angry, maybe? Et anybody have suggestions? What makes you angry? Qu'est-ce qui vous met en colère? And when you get angry, do you think you have the... Do you have the justification to get angry? Or is it even beneficial? Does it really solve the problem? Think about that. Quand vous mettez en colère, réfléchissez. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que ça vous aide à résoudre le problème? Or does it make the problem much bigger? Ou alors, au contraire, est-ce que ça rend le problème encore plus grand? You see, when you're humble, voyez-vous, quand vous êtes humble, then you give the opportunity for the other person to be humble also. Alors vous donnez l'opportunité à l'autre d'être également humble. But if you're not humble, mais si vous n'êtes pas humble, then you don't give that opportunity to the other person. Alors vous ne donnez pas l'opportunité à l'autre personne. If you're proud, you talk to them, like that. Vous êtes très orgueilleux alors et vous lui parlez, comme si c'est cela. Then the other person also will try to more. Et l'autre personne alors également va essayer de s'enfler. Then all you have is a battle of egos. Et vous allez, tout ce que vous allez obtenir, c'est une bataille d'ego. And then everybody loses. Et tout le monde perd. You know, nobody. Unless, of course, you learn. If you learn, then it's not so bad. À moins, bien sûr, que vous n'en tiriez une leçon. Si vous en tirez une leçon, alors c'est pas si mauvais. You still lose, but you win a little bit. Vous perdez quand même, mais you lose, but at least you win a little bit. Mais vous gagnez un peu quand même. Mm-hmm. But as long as you're learning, as long as you're changing, you know, recognizing, correcting, improving. Mais tant que vous en tirez une leçon, que vous changez, que vous reconnaissez, que vous transformez. Mm-hmm. So, just be aware of the anger, because the anger, most of the times, is hidden, hiding. Soyez conscient de la colère, parce que la plupart du temps, la colère est cachée. Hein. It's hiding in the bushes. Elle se cache dans les buissons. It only comes out when it's triggered. Et elle ne sort que quand elle est activée. And we allow it to come. Et qu'on lui permet de sortir. It's like if when a guest comes to our house in the middle of the night. C'est comme quand un invité vient dans notre maison au milieu de la nuit. A stranger. Un étranger. In the middle, like it's say 2 a.m. we're sleeping. They go knock, 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 like banging the door, boom, boom, boom. Et donc, disons qu'il est 2 heures du matin et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui cogne sur la porte. Do we come to the door open? Oh, please come in. Est-ce qu'on va s'avancer vers la porte et dire, oh, s'il vous plaît. Would you like a tea? Can you please have a seat? Can I prepare for you some snacks? Peut-être des snacks? I'll give you a foot massage. Je vais vous donner un massage des pieds. Do we do that? Est-ce qu'on fait ça? Even if it's a family member. Même si c'est un membre de la famille. Even if it's our best friend. Même si c'est notre meilleur ami. We have a serious face. On va avoir un visage fermé, sérieux. What do you want? Do you know what time it is? That's what we would say, right? C'est ce qu'on dirait, non? Right? Oui. But when anger comes, what do we do? Mais quand la colère vient, qu'est-ce qu'on fait? Oh, welcome. Oh, bienvenue. Take over. Et prends le contrôle. My body is yours. My mind is yours. Mon corps est à toi. Mon esprit est à toi. Why do we do this? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? It's a good question to ask. C'est une bonne question à se demander. Hmm? Even if we know the result is going to be totally destructive, totally unproductive. Même si on sait pourtant que le résultat va être complètement destructeur, complètement improductif. Still, we welcome with open arms. Cependant, on accueille la colère avec les bras ouverts. Mm-hmm. So this is a question you have to ask. Donc ça, c'est une question qu'il vous faut vous poser. And the last thing about anger is to be able to be aware of when it's coming. Et la dernière chose à propos de la colère, c'est d'être capable, d'être conscient quand elle survient. So it's like, for example, if you're in the jungle, in the Amazon, you're exploring. Donc c'est comme si, par exemple, vous êtes dans la jungle, dans l'Amazon, à explorer. You're very suspicious of the wild animals. Et donc, vous allez être très plein de soupçons et qu'il puisse y avoir des animaux sauvages. And suddenly, there's a bush that moves. Et tout d'un coup, il y a un buisson qui bouge. Oh. So maybe there's an animal inside. You have to be ready. It's a little bit like that. C'est un peu comme ça. It's not like, oh, you see the bush moving. Oh, come attack me. C'est pas que vous voyez un buisson bouger et que vous disiez, oh, les bras ouverts, viens, attaque-moi. So you're ready. Non, vous êtes prêt. It's like that. With the anger, you have to be like that. Avec la colère, il vous faut être ainsi. Always ready. Toujours prêt. Fight or flee. Fight? Hein? Fight? Or flee, run. Et battez-vous courez, échappez-vous. Or subdue. No. Ou donc t'es là. Hein? Yeah. Or make your anger your best friend otherwise. Ou faites autrement, faites de la colère votre meilleur ami. You know, just learn from it. Tirez-en des leçons.
No, I get angry often. Bon, moi, je me mets en colère souvent. Trust me, I always regret. Et faites-moi confiance, je regrette toujours. And still, when it comes, I still welcome. Oh, welcome. Et cependant, quand elle survient, eh bien, je suis comme ça, et bienvenue. Because it's a habit from so many lifetimes. Parce que c'est une habitude qui vient de tant de vies passées. So you can't just change like that. Et vous ne pouvez pas simplement la changer en un claquement. If it was that easy, we would all be enlightened already. Si c'était si facile, on serait tous déjà éveillés. So it's a slow job, slow work. Donc c'est un job et lent, un travail et qui prend du temps. Discipline. Discipline. But be aware. Mais soyez conscient. When the bush starts moving. Quand le buisson commence à bouger. I think that's very important. When you feel it's coming. Je crois que c'est très important. Quand vous sentez. It's coming. Bien. Oh. Eh bien. Hmm? Ah. You have to be aware. Then you think. Ego. Alors vous pensez l'ego. Humility. Humilité, respect, respect, understanding, compréhension, empathy, empathie, compassion. Compassion. If you have compassion for the other person, you can never get angry. Si vous avez de la compassion pour l'autre, vous ne pouvez jamais vous mettre en colère. Unless, of course, you're realized and you know that the only way to help them is by getting angry or showing the aspect of anger. Sauf si, bien sûr, vous êtes réalisé et que vous savez que la seule manière d'aider la personne, eh ben, c'est de lui manifester de la colère, de lui montrer. But it's another story. As long as the intention is good. Intention, the main is intention, right? Oui, le principal, c'est l'intention. And most of the times we get angry not with intention to help. It's to show I'm the strong one, I'm right. C'est pour montrer que on est celui qui est fort, que j'ai raison. We justify. Nous justifions. And then the anger comes out. Et ensuite la colère vient. I'm right. J'ai raison. And you can see we inside between friends in the family. Et on peut voir entre amis, en famille. Even between the countries. Et même entre pays. Many times the wars is all about this, you know, about the ego battle of egos. Et souvent les guerres, ben, il s'agit de ça, hein, c'est des batailles d'ego. And I'm going to show you who's stronger. Je vais te montrer qui est plus fort. And I'm going to send my army, and then I'm going to conquer you, and then you'll see I'm stronger than you. Et je vais envoyer mon armée, je vais te conquérir, et là tu verras que je suis plus fort que toi. It's ridiculous. C'est ridicule. You know? But that's how, if you look at the history of humanity, it's like that. Mais si vous regardez l'histoire. De l'humanité, c'est ainsi. So how do we start changing that is from the individual level? Donc comment est-ce qu'on commence à changer ça? Et ben c'est en partant du niveau individuel. We can only work on ourselves. Nous ne pouvons travailler que sur nous-mêmes. You know, and from there we start. Et on commence de là. We can judge 1,000 people. Nous pouvons juger milliers de personnes. But we don't start judging ourselves, it's totally useless. It doesn't make any sense. Mais si nous ne commençons pas à nous juger nous-mêmes, c'est totalement inutile. We ça don't, n'a aucun sens. We don't even know ourselves. Et nous connaissons même pas nous-mêmes. I don't know how I'm going to react tomorrow if certain circumstances happen. Moi, je ne sais pas comment je vais réagir demain si certaines circonstances surviennent. Many times I surprise myself. Et souvent, je me surprends moi-même. Because I react in a certain way, then I say, wow, I didn't know, you know, this. Where did this come from? Je réagis d'une certaine façon et je me dis, mais oh, je ne savais pas, d'où est-ce que c'est venu? Yeah, so if we really knew ourselves, we would know exactly how we're going to react if such this happens or that happens. Si nous nous connaissions vraiment nous-mêmes, nous saurions exactement comment nous allons réagir si ceci ou ceci survient. So we don't even know ourselves, how can we judge somebody else? Donc si nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes, comment pouvons-nous juger quelqu'un d'autre? So don't judge, don't compare, you know. I mean, if you want to compare, be productive comparison. Donc ne jugez pas, ne comparez pas. Si vous voulez comparer, alors que ce soit de la comparaison et productive. You know, competition can be productive. La compétition, la concurrence peut être productive. Oh, look, you know, they advance somewhere. I want to advance too. I also want to be of benefit. Oh, regarde, et il attend à avancer, et moi aussi je veux avancer, moi aussi je veux être bénéfique. Oh, he gets up at 4:30 a.m., I want to do that too. Et lui se lève à 4h30 du matin, et moi je veux faire ça aussi. And then you wake up 2 days, 4:30, next day, and I sleep. Et vous allez vous réveiller 2 jours de suite à 4h30. Oh, so difficult, so difficult. Anyways, yeah, so the anger can really, really destroy. Donc, quoi qu'il en soit, la colère peut vraiment, vraiment détruire. It's one of the destructive emotions. C'est une des émotions destructrices. Very dangerous, very dangerous. Très, très so don't welcome if they knock on the door in the middle of the night. Donc, et ne l'accueillez pas si quelqu'un frappe à votre porte au milieu de la nuit. So you have to ask the question, what are you doing here? Why are you here? What do you want? Vous allez poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? So you're not coming in, sorry, you're not welcome. Et non, tu ne rentres pas, tu n'es pas bienvenu. Anger is not welcome.
La colère n'est pas bienvenue. Unless you can use it as a tool to be of benefit. À moins que vous soyez capable de l'utiliser comme outil pour être bénéfique. But for that you have to have certain realization. So if you're humble, then you won't use it that way. Mais pour ça, il vous faut avoir certaines réalisations. Donc si vous êtes humble, vous n'utiliserez pas ainsi. Okay. In the Tibetan, they say they call anger, they call it wind. Et les, en tibétain, et la colère, ils l'appellent vent. Lung. Lung. Lung tsabo, we say. Hot wind. Et un vent chaud. Oh, he's lung tsabo. Lui, c'est un vent chaud. He's a hot wind. Un vent chaud. It's very funny. C'est très drôle. Yeah. So. Okay. Number 8, compulsions. Numéro 8, donc les compulsions. Yeah, compulsion. So it's based, compulsion normally is based on habit, I think. La compulsion, normalement, je pense, est basée sur l'habitude. We override the thought, and we go directly to the habit. Et on double la pensée et on va directement à l'habitude. The same way we have maybe muscle memory. De la même manière que peut-être il y a une mémoire des muscles. We have also mind memory. Et on a aussi une mémoire de l'esprit. So just to clarify, the muscle memory is like riding a bicycle. Donc, simplement pour clarifier, la mémoire musculaire, c'est comme de chevaucher un vélo. Once you learn how to ride a bicycle, even 20 years later, even if you don't ride at all, you catch a bicycle, boom, no problem, you know how to do it. Une fois que vous avez appris à faire du vélo, peut-être vous n'allez plus en faire pendant 20 ans, mais 20 ans après, vous remontez sur un vélo et immédiatement, votre corps va savoir comment faire. So use a connection, the brain neurons. Parce qu'il y a une connexion entre les neurones du cerveau. They already have a neural pathway. Et il y a déjà un chemin neuronal. So it's also the with the muscle, you know, it's connected. Donc également c'est connecté avec les muscles. It's like in the forest, you know, the more you walk a path, the easier it is to walk. Et c'est comme dans la forêt, plus vous passez par un chemin, ben plus c'est facile de le prendre. The first time you walk, you have to go with the machete. Et la première fois que vous faites le chemin, ben il faut une machette. When you go into the Amazon, you have to discover. So you, donc you know. Si vous allez traverser l'Amazon, ben il va falloir procéder. It's a little bit like that, so you have to create a new habit. C'est un peu comme ça, donc il vous faut créer une nouvelle habitude. The first time is very difficult. Donc la première fois c'est très dur. But every time you walk that, the more you do, the easier it is, the faster it is. Mais à chaque fois que vous prenez ce chemin, et bien plus vous le faites, plus ça va être rapide, facile. So compulsions can be like that. From past life can come. Donc les compulsions peuvent être ainsi et elles peuvent venir de vie passée. You know, so the compulsion can be a positive compulsion or a negative compulsion. Donc la compulsion peut être positive ou négative. Depending on the habits that you've created. En dépendance des habitudes que vous avez créées. This life or last life, or many lifetimes before. Ou dans la vie passée, ou il y a de nombreuses vies. So compulsion normally is things that you do without thinking, and then you let it be. You give in to the compulsion. Et donc la compulsion normalement, et c'est des choses et vous avez l'habitude de faire, et puis vous laissez aller. C'est comme si vous abandonniez à la compulsion, à l'habitude. So for example, like you see an animal drowning in the water. Par exemple, vous voyez un animal qui se noie dans l'eau. Without thinking, you jump directly. Sans y penser, même, vous allez sauter dans l'eau directement. Even if you have the phone in your pants. Même si vous avez le téléphone dans la poche du pantalon. It's okay. You jump directly. You don't think, no? Boom, compulsion. Et vous n'avez même pas à penser, ça vous vient automatiquement. Saving. Even your own life, you don't care. You forget. For one second, you forget. Or the compulsion of maybe if you have the habit of smoking. Ou la compulsion, peut-être, si vous avez l'habitude de fumer. And even if you stop smoking completely. Et donc, même si vous avez complètement arrêté de fumer, suddenly you're in a group, people are smoking. Tout d'un coup, vous retrouvez dans un groupe où les gens fument. Then you have the compulsion to smoke. Et no? Vous allez avoir cette compulsion de fumer. Then you override the thought, like, oh, I don't, you know, why? So you just, it's a compulsion, you know, it comes. Et à ce moment-là, ben, vous allez devoir dépasser cette pensée, vous dire, mais ah, c'est une compulsion. Many examples like that. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. You know, so that's why we have to be aware of the compulsions and where they come from. C'est pour ça que nous devons être conscients des compulsions et de d'où elles viennent. Yeah. I mean, of course, sometimes positive compulsion can also be dangerous. Bon, je veux dire, bien sûr, parfois les compulsions positives peuvent également être dangereuses. So we have to always be in control of our mind. Donc il nous faut toujours être et avoir le contrôle de notre esprit. The habits, the compulsions. Les habitudes, les compulsions. For many people, the compulsion is much stronger. Pour beaucoup de gens, là, les compulsions. Very strong. Beaucoup plus fort. Very strong. Très fort. Compulsion, many times they win, you know? Et souvent, c'est les compulsions qui gagnent.
Yeah, I have many friends who are drug addicts. J'ai beaucoup d'amis qui sont et drogués. For them, the compulsion is so strong. Et donc pour eux, la compulsion est si forte. They have no power over their mind. Ils n'ont aucun pouvoir sur leur esprit. Because the compulsion based on the habit is overpower them. Et la compulsion sur la base de l'habitude, eh ben, prend le pouvoir, surpasse tout. And it's also the same, for example, for positiveness, you know? Et c'est également la même chose, par exemple, pour la positivité. Like for LamaOsel, his compulsion is he don't want to sleep, it's a waste of time sleeping. Donc comme par exemple pour la base de Parimpoche, qui lui, sa compulsion, c'est il ne veut pas dormir parce que c'était pour lui un gâchis de temps. Even for his own health, he doesn't care. Et même, il ne se soucie pas de sa propre santé. His own comfort, he doesn't care. Son propre confort, et ça lui est égal. 100, 1000%, always compulsion, sentient beings, helping sentient beings, all the time. À 100%, à 1000%, et toujours avec cette pensée, je veux des aides. And this I can say, I know Rinpoche for my whole life. Et ça, je peux dire, parce que personnellement, je connais Rinpoche toute ma vie, j'ai connu. And since I know him, et depuis que je le connais, every second, his compulsion is to help, to be of benefit, helping, service. Seule attention d'aider, d'être bénéfique, d'être au service. All the time, non-stop. So we are so lucky, you know, like that. His Holiness is the same, you know. Donc nous sommes si chanceux, et sa sainteté, c'est la même chose. Completely dedicated their whole entire life for benefiting sentient beings. Qui ont complètement dédié leur vie entière pour le bien des êtres. You know, we are so lucky to be able to share this planet with them, to be alive at the same time. Et donc nous sommes si chanceux de pouvoir partager cette planète avec eux. So precious. En même temps que. And we can watch live stream or YouTube the teachings anytime we want. Et donc on peut et regarder des webcasts et des sur YouTube des enseignements d'eux à chacun quand on veut. So I think you know it's almost like a golden age. Donc you know. Je crois que c'est comme une période de the earth, âge d'or, comme the âge d'or. If we're able to see it that way. Si on est capable de le voir ainsi. Of course. It's also a habit that we overvalue negativity. Donc bien sûr, c'est également une habitude que nous avons de et surévaluer la négativité. 100 good things happen. Et il y a 100 bonnes choses qui vont se survenir. It's okay. Et on va dire oh ça va. One bad thing happens. Oh my God. Et une mauvaise chose survient et on va dire oh mon Dieu. And then this becomes so important, so big. Et ça va devenir si important, si. And then there's no space for the positive. Et alors il n'y a pas d'espace pour le positif. Yeah, so this also is we have to switch this kind of mentality. Donc ça également il nous faut switcher, il nous faut changer cette mentalité. Even if 100 bad things happen. Même si 100 mauvaises choses surviennent. One positive happen. Et qu'une chose positive. You focus on that. Wow, the positive happened. Wow. Centrez-vous sur cette chose positive. Wow, une chose positive. And that way the negative it becomes meaningless. Et de cette manière, eh bien le négatif devient sans sens. It dissolves. Il se dissout. Mm-hmm. And then the positive becomes important. That's what prevails. That's what stays. Et alors le positif devient important. C'est ce qui va devenir le plus important. C'est mm-hmm. ce qui va rester. So it's a way we see things based on how we think. Donc ça c'est la manière dont nous pouvons voir les choses sur la base de la façon dont nous pensons. The way we think it creates the attitude, the state of mind. La façon dont nous pensons va créer l'attitude, l'état d'esprit. No? So it's very important to be aware of that. Donc c'est très important d'être conscient de ça. So next time you get a compulsion, try to differentiate. Is this good or bad? Donc la prochaine fois que vous avez une compulsion, de faire quelque chose, et bien essayez de différencier. Est-ce que c'est bon ou mauvais? And before you do it, think of the result. Et avant de le faire, et pensez au résultat. And the intention, is it egoist intention? Et si l'intention est égoïste, if the intention is egoist, most surely the result is going to bring suffering. Si l'intention est égoïste, il est quasiment certain que le résultat va être négatif. And same goes to the positive. Et la même chose dans le sens inverse. Yeah, if the intention is positive, si l'intention est positive, the result will bring satisfaction, happiness. Le résultat, ben, ça sera que ça apportera mm-hmm. de la satisfaction et du bonheur. So compulsion is also can be very dangerous, but it's always based on the habit. Donc la compulsion également peut être très dangereuse, mais elle est également basée sur l'habitude. Yeah. Okay. Ooh, love. Oh, l'amour. It's beautiful. C'est so I think love has many, many different names. Donc je pense que l'amour a beaucoup de noms différents. But in the end, it's just a name, right? Mais au final, c'est simplement un nom, non? It's a name to describe something. C'est un nom pour décrire quelque chose. But love is everything. Mais l'amour est tout. It's everywhere. L'amour est partout.
Love is the creation of life is love. Et la création de la vie, c'est l'amour. Mm-hmm. The continuation of life is love. La continuité de la vie, c'est l'amour. Mm-hmm. The result is love. Le résultat, c'est l'amour. Everything is love. Tout est amour. Now it's becoming cheesy, no? Ça devient, c'est romantique. Romantique. Hein? C'est très, très romantique. So, maybe you can give some words. What is love for you? Mais peut-être vous pouvez lancer quelques mots. C'est quoi l'amour pour Come vous? Don't be shy. Ne soyez pas timide. Pour moi, c'est la joie. Joie. Si? Hein? Joy. Respect, you see, wow. Partage, sharing. Sorry? Acceptance, beautiful. Acceptation. Help, amazing. Help, l'aide. Yeah. Freedom, la liberté. Générosité. Openness. What's ouverture? Openness. Generosity. Compassion. Comprehension. See, just from one word, look how many beautiful things Donc, coming out. Simplement d'un mot, regardez toutes ces belles choses. Combien de belles choses. So special. C'est si spécial. Mm. So, I mean, I don't have to say anything then. Oh, you, all of you already said it. Vous avez dit. Yeah. I mean, this body is love, right? Non, ce corps est amour. It's magic. C'est magic. Magique. In French, we say, la magie, no? How do you translate that in English? Lam agi. Lam. The path, something. No, the soul. Lam agi. And la magie. Et la magie de. The magic. The path. Lam is a path, no? Lam is the soul in French. Lam. Apostrophe. It's the soul. Lam agi. Agi, act. The act of the soul is the magic. Same, no? Similar. Yes. C'est des jeux de paroles. Hein, non. My French is not so good, but. Yeah, something. Sorry? The language of birds. Very beautiful. But I think, so His Holiness describes it very well, the warm heart, you know? The desire to be a benefit, starting with yourself. Ce désir d'être bénéfique et à commencer par vous-même. Mm-hmm. It's love. L'amour. So difficult to really explain love. You can experience it, you can feel it, but when you try to put it in words, it kind of loses a little bit. It's c'est si difficile de vraiment expliquer. The essence. Quand on essaye de le mettre en mots, ça perd un peu de son essence. But the older we get, the better we understand what love is. Mais plus on prend de l'âge, mieux on comprend ce qu'est l'amour. I'm not saying young people are not wise. Je dis pas que les jeunes ne soient pas sages. It's many young people much wiser than older people. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus sages que des personnes âgées. But so love is, I think, essentially is the true meaning of life. Mais je pense que l'amour est essentiellement le véritable sens de la vie. Sharing is caring. Partager, se prendre soin. Yeah, something like that. Quelque chose comme ça. So, it's difficult to put in words because then it loses its real essence. Dans des mots parce que ensuite ça perd. Robina, what is love for you? Robina, c'est quoi l'amour pour toi? What's the Buddha's definition? La définition bouddhiste, c'est tout. Wish que les autres soient heureux et le fait de se réjouir de leur bonheur. The wish for others to be happy and delight in others' happiness. Yeah, love. Okay, so it's 6:30. Anybody wants to finish up any last question or doubt? Quelqu'un veut terminer a constructive criticism? Un doute ou une critique constructive, yes, please. S'il vous plaît. Feel welcome. Oui. Guilty, So when you lack discipline, you feel guilty. Yeah. How to deal with that? Tu manques de discipline, tu te sens how to feel guilty? Comment traiter ça?
Yeah, yeah. Okay, so this is something also very important. Donc là, il y a quelque chose également de très important. So I have to go a little bit backwards first to get to there. Donc il faut que je reparte d'abord un peu en arrière pour y arriver. And talk about responsibility. Et parler de responsabilité. So many times people they say, oh, it's destiny. Donc parce que très souvent les gens disent, oh, c'est le destin. It's, you know, the universe already decided everything. I have no choice. Donc l'univers a déjà décidé de tout. J'ai pas le choix. So that's a very easy way of thinking. Donc ça c'est une façon de penser un peu simpliste. Or sometimes even the Buddhists say, oh, it's your karma, it's my karma. Ou parfois les bouddhistes disent, oh, c'est ton karma, c'est mon karma. It's justified like that. Et ils se justifient ainsi. And then also there's a part of, oh, guilty. It's your fault. It's my fault. I feel guilty. Et puis également, et il y a une autre partie où et on se sent coupable. C'est ta faute. C'est ma faute. On se sent coupable. You have to be able to differentiate. You know, there is no fault. Donc il faut savoir différencier. There is no fault. Il n'y a pas de faute. You know, it's not like, oh, it's your fault. C'est pas que ce soit ta faute. It just happens like that based on your intention. Bon, ça s'est passé ainsi sur la base de ton intention. So if you feel guilty in the end, it doesn't really help. Et donc, si tu te sens coupable à la fin, et ben au final, ça n'aidera pas. You can't change anything with guiltiness. Parce que avec la culpabilité, tu ne peux rien changer. Because there's no, it's nobody's fault. C'est la faute de personne. You just have to take responsibility. Il te faut simplement prendre la responsabilité, devenir responsable. No. And then, if it doesn't work out, at least learn. Et ensuite, si ça ne marche pas. Eh bien, au moins apprendre. Use it as a tool to improve. L'utiliser comme un outil pour s'améliorer. But if you're like, oh, I made a mistake, it's my fault, I feel guilty, then all you're doing is wasting your time, you're making yourself suffer. Mais si tu te dis, oh, j'ai fait une erreur, c'est ma faute, et je me sens coupable, et donc tout ça c'est que de la souffrance, c'est maybe son temps. A little bit is okay, so that next time you do it. Non, peut-être que ressentir ça. Whatever it is. C'est okay pour au moins la prochaine fois ne pas recommencer, mais. But don't overdo it, you know. Mais n'en faites pas trop. This oh poor me, oh me, I can't do it, oh I'm this. You know, like I don't have the like that. That kind of mentality is very counterproductive. Ce type de mentalité est très contre-productive. So you don't need to feel guilty, just feel responsible. Donc, et pas besoin de vous sentir coupable, simplement et sentez-vous responsable. If you made that choice, you take the responsibility. Si vous avez fait ce choix, et alors prenez la responsabilité. The next time, you take the responsibility. Et la prochaine fois, et bien that's de it. Nouveau prenez cette responsabilité. No excuses. Donc pas d'excuses. You know, like for example, if you're late to work. Par exemple, si vous êtes en retard au travail. The boss doesn't care. You can come up with 100 excuses. Your boss doesn't care. Et le boss, lui, il s'en fout. Vous pouvez avoir 1000 excuses, mais de son côté, il s'en fout. All he cares is that you're on time and you do your job properly. Son seul souci, c'est que vous soyez à l'heure et que vous fassiez bien votre travail. So if you go and you're like, oh no, there's traffic, oh this, oh today in the shower, this happened, oh I fell down, oh, ta 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 ta, but this and this, the boss is going to be like, hey, you're wasting my time, I don't care. Et donc, si vous allez voir votre chef et que vous lui dites « Oh, il y avait beaucoup d'embouteillages, je suis tombé dans la douche, et ceci et cela », lui, de son côté, il va vous dire « Mais moi, c'est pas mon souci. » I don't care why you're late. Peu m'importe pourquoi tu es rentré. Next time, be on time. La prochaine fois, sois à l'heure. And if it happens too much, I'm going to fire you. Et that's it. Si ça se reproduit trop souvent, et je te virerai, c'est tout. So it's a little bit like that. This guilty feeling is a little bit like that. It's useless. Donc, ce sentiment de culpabilité est un peu similaire. C'est inutile. If you're late to work, you say, sorry, I'm late. À ce moment-là, tu dois dire, et désolé, je suis en retard. You take responsibility. Oui, et tu prends la responsabilité. And then you have maybe two more chances to be late. Et peut-être que tu en retireras deux opportunités supplémentaires, deux chances de plus d'être en retard. But you know, the third time you'll be fired. Mais tu sauras que la troisième, tu seras viré. But you take responsibility that instead of three opportunities, now you only have two. Et si tu deviens responsable, tu sais que tu avais trois autres possibilités, qu'il y en a déjà deux, donc tu vas faire attention. But by feeling guilty, you're not really accomplishing anything. Mais en se sentant coupable, eh ben, on n'accomplit vraiment rien. Mm-hmm. It's good. Est-ce que ça va? Yeah. It's helpful. Ça aide? Okay, let's see one more and then we close. One more, please. You spoke a lot about intention. Intention, yes. Can you explain a bit more? Intention? Vous avez parlé de l'intention. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus?
Okay, intention. Very, very important intention. Très, très important. Intention is the beginning of karma. L'intention, c'est le début du karma. Or at least the individual karma. Au moins du karma individuel. So your karma starts from the intention. Et donc votre karma commence avec l'intention. Based on the intention, the karma can be big or small. Et sur la base de l'intention, le karma peut être petit ou grand. No. So the action can be the same. Donc l'action peut être la même. But if the intention changes, mais si l'intention change, then there's big difference in the karma. Donc à ce moment-là, il y aura une grande différence quant au karma créé. Yeah. So it's like, for example, I don't know, like right now I don't have many examples, so I'm just going to say the example I normally use. Donc là, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais donc je vais simplement utiliser l'exemple que j'utilise d'habitude. It's like the friend, you know, who's drunk. C'est comme un ami qui serait sous. And he wants to drive the car. Et qui veut conduire la voiture. He's completely drunk. Il est complètement sous. And he doesn't want to let go of the keys. Et he's going to drive. Lâcher les clés. Il va conduire. So the only way is you have to maybe hit him or wrestle with him or something like that, or shout at him or something. Donc peut-être que la seule manière de récupérer les clés, ben, sera de se battre avec lui. Should be aggressive. Et lui crier dessus, ou... With the intention of saving his life or saving anybody who he will kill if he's drunk. Avec l'intention de sauver sa vie ou de sauver la vie de quiconque qui puisse rencontrer son chemin et qu'il puisse tuer à cause du fait qu'il soit sous. So the result of that karma is going to be very, very different from, for example, somebody who's really angry and they just want to hurt somebody. Donc le résultat quant au karma créé va être très différent entre vous qui avez cette intention et une personne qui serait très en colère et qui voudrait faire du mal à l'autre. So maybe the action is the same. Peut-être que l'action sera la même. But the result is very different. Mais le résultat est très différent. The friend will say thank you tomorrow. L'ami vous dira et merci demain. And the other person, he will probably hate you. Mais l'autre personne peut-être vous haïra. It will be a cycle. The cycle. Maybe he'll want to hit you back. Peut-être qu'il voudra vous frapper en retour. Yeah, but the result is not a positive result. Le résultat sera pas un résultat positif. Yeah, so that's intention. Donc, as in an example. C'est pour donner un exemple. Also, like intention, I think it's important to clarify maybe. The intention with the guru, for example. Mais également, et l'intention, je crois que c'est important de clarifier aussi, par exemple, dans le cas de l'intention envers le guru. This is very important. Ça, c'est très important. Because many people, sometimes the guru becomes like the girlfriend. Parce que très souvent, et pour les gens, et le guru devient un peu comme leur petite amie ou petite amie. They get obsessed with the guru. Obsédé avec le guru. Oh, the guru looked at me. The guru smiled at me. Oh, le guru m'a regardé. Le guru m'a souri. Oh, today the guru didn't talk to me. Aujourd'hui, le guru ne... Oh, I'm depressed. Oh, je suis déprimé. You know, I didn't see the guru. I need to see him more. I need to... Oh, you know, this obsession. J'ai pas vu le guru. Il faut que je le voie plus souvent. Ça devient une obsession. The guru will save me. Le guru me sauvera. If he doesn't save me this life, he'll save me the next life for sure. Il ne sauve pas dans cette vie, il me sauvera dans la suivante. And this is the intention, egoist intention, no? Et ça, c'est une intention, mais une intention égoïste. It's the attachment. L'attachement. And I've seen that in many different cases. Everybody wants a piece of the guru. Et j'ai vu ça dans de nombreuses fois. Et chacun veut un bout du guru. Maybe someone's having a conversation. Peut-être que quelqu'un a une conversation avec le guru. But you still want to impose yourself because you want the guru to look at you, to talk to you, or anything, give you attention. Mais vous allez quand même vouloir imposer votre présence parce que vous voulez que le guru vous parle ou vous inclue. So you don't care about anybody else. You just care about you, me. Donc peu vous soucie les autres et tout ce qui vous importe c'est vous-même. My practice is important. I have a doubt. I have to clarify. I don't care about anybody else's practice. Ma pratique est importante. J'ai un doute. Il faut que je clarifie. Et peu m'importe les autres. So then what happened? Qu'est-ce qui se passe? It's just like the girlfriend. Exactement comme avec votre petite amie. And then if the guru makes you bad face, like that. C'est que si le guru vous renvoie un visage renfrogné. Then you get depressed. Oh, the guru is angry with me. Et alors vous allez être déprimé. Oh, le guru est en colère contre moi. What did I do wrong? So like the girlfriend, same thing. Donc même chose avec la petite amie ou la petite amie. The guru is not your girlfriend. Mais le guru n'est pas votre petite amie. He's your best friend. Your Dharma friend. C'est votre ami du Dharma. The guru is like the lighthouse. Le guru est comme le phare. You know, if you're on a ship and you're lost. Si vous êtes sur un navire et que vous êtes perdu. You have no orientation. Vous n'avez plus le sens de l'orientation. So the guru, the lighthouse helps you to tell you, okay, be careful, warning. Here there are rocks. If you come nearby, you can crash and sink.
Donc le phare vous aide et vous donne un avertissement. Faites attention, ici il y a des rochers, si vous vous approchez, ben, vous ferez naufrage. Or it can tell you, here there's land, you're coming close to your destination. Ou il peut vous dire, ici eh bien, il y a la terre, vous vous rapprochez de votre destination. But you're not going to the lighthouse. Vous n'allez pas foncer vers le phare. If all the boats acted like the disciples of the gurus, then all the lighthouses would be full of boats crashed into them. Si, abandoned si, boats. Si tous les disciples agissaient comme ça avec leurs gourous, et ben alors les phares seraient pleins de bateaux échoués à leurs pieds. The lighthouse would be boat cemeteries. Et les phares seraient des cimetières de bateaux. That's not the case, right? Mais c'est pas le cas, non? Because the captain of the boat, they know. Parce que les capitaines des bateaux savent that the lighthouse is only for orientation. Que le phare n'est que pour l'orientation. Shows you where you have to go. Il vous montre vers où vous devez vous diriger. And where you have to avoid. Et ce que vous devez éviter. So you are the captain of your boat. Donc vous êtes le capitaine de votre bateau. So you have to be able to differentiate. What is your intention? Et donc il vous faut être capable et de différencier quelle est votre intention. Are you attached to the lighthouse? Est-ce que vous êtes attaché au phare? Are you attached to your own evolution in order to help other sentient beings? Ou est-ce que vous êtes attaché à votre évolution intérieure afin de pouvoir aider les êtres? So that's an intention, very important, subtle intention that you have to be aware. Ça c'est une intention très importante, une intention subtile dont il vous faut être conscient. Otherwise it becomes like spiritual bypassing. Et sinon ça devient du bypassing spiritual. Bypass is like like bypass. Spirituel, en fait, hein. You bypass, like et, jump. Comme, vous sautez un... Is that yeah? Bypass, like for example, in the highway, if there's a highway here, you jump over. Et donc, comme si bypass. Vous sautiez, hein. Un contournement spirituel. Bypass, spiritual bypass. So, for example, you have maybe childhood trauma, you have psychological problems, you have maybe certain aspects. Donc par exemple, si vous avez eu un traumatisme d'enfance, ou vous avez des problèmes psychologiques... So you bypass that, you say, oh, I don't need to work on myself. Et vous allez contourner ça, mais là c'est au sens négatif, et, en vous disant, j'ai pas besoin de travailler sur moi. And you just put all your faith in on the spirituality, on the guru, or on the dharma. Vous allez simplement vous contenter de mettre toute votre foi sur la spiritualité, sur le guru, sur le dharma. And then maybe after 30 years practicing dharma, et puis peut-être qu'après 30 années de pratique du dharma, you're more neurotic than when you started. Et ben vous vous retrouverez plus névrosé que quand vous avez commencé. Neurotic? Nervosé. Yeah. So this is completely useless then, no? Donc ça c'est complètement inutile, non? So no, like this is, I've seen this mistake many times. People, they try to spiritually bypass. Et j'ai vu cette erreur et souvent les gens essayent et utilise le chemin spirituel pour contourner You know, just like His Holiness says, he says dharma doesn't make you a non-Christian or non-Muslim, non-Hindu. Comme le dit sa sainteté, le dharma ne va pas vous rendre non-chrétien ou non-musulman ou non-hindou. Actually, dharma helps you to be better Christian, better Hindu, better Muslim. En fait, le dharma vous aide à être un meilleur chrétien, un meilleur musulman, un meilleur hindou. In the same way, the spirituality can help you to really overcome your trauma, overcome your psychosis or your problems, your traumas, all these things, you know, that can help you. De la même façon, la spiritualité peut vous aider à surmonter vos traumatismes, vos psychoses, peut vous aider. But don't bypass it and look for shelter with the guru and the dharma, and that's it. And then you forget about all these other things that you have to work on. Mais n'oubliez pas ça, ne contournez pas ça, et en laissant ça de côté. Et puis en sautant à la tape du gourou ou de la pratique, etc. Et en oubliant ce sur quoi il vous faut commencer par travailler. Otherwise, it becomes a waste of time and very counterproductive. Sinon, eh ben, ça va devenir un gâchis de temps et ça va être très contre-productif. You get frustrated and then you get angry and then you blame the guru. Parce que vous allez terminer frustré, vous allez vous mettre en colère et ensuite vous allez rejeter le blâme sur le gourou. You know, like we do normally. We always blame for our own mistakes. We blame others for our own mistakes. You know. Fait toujours et en fait pour nos propres erreurs et d'en rendre coupables les autres. This is the result of being too proud. Et ça c'est le résultat d'être trop orgueilleux. So also that's another aspect of intention. Donc ça c'est un autre aspect d'intention.
So always observe the intention, the very subtle form of intention. Everything starts with an intention. Donc, observez toujours l'intention, cette forme très subtile de l'intention, parce que tout commence par l'intention. Yeah. So we can finish there. Non, on peut s'arrêter là. Thank you for the question. Merci beaucoup pour les questions. Okay, I hope I was able to clarify and not create more doubts. Well, doubt is good actually, but what do you call it? I don't want to create confusion, you know. J'espère que j'ai pu clarifier et pas créer plus de doutes. Enfin, en fait, le doute c'est utile, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pu ne pas créer plus de confusion. Yeah. Confusion also can be good because sometimes it's like that, no? Like, if we have doubts, then we question things. Bon, la confusion aussi peut parfois être bonne, parce que parfois c'est ce qui se passe, c'est que si on a des doutes, eh bien on peut remettre les choses en question. And that helps us to understand better the path. Et alors ça va nous aider à mieux comprendre le chemin. Because when you walk the path, you really know the path. Parce que quand et vous parcourez le chemin, ben vous connaissez vraiment le chemin. If you get on the bus and you fall asleep and the bus takes you somewhere, you don't really know the path so well. Et, mais si vous montez dans le bus et que vous vous endormez, que vous allez quelque part, bon, ben, vous n'allez pas bien connaître le chemin. Après. So through the confusion, it helps you to clarify. Donc, et à travers la confusion, ça va vous aider à clarifier. So always question. Donc, toujours remettez en doute, questionnez. Like Shakyamuni Buddha, he said in his teachings. Comme le Bouddha Shakyamuni l'a dit dans ses enseignements. Everything he says, you have to check, like the alchemist checks the gold, donc, or the goldsmith, sorry. Vous savez quand il a dit que et vous devez tout vérifier comme un orfèvre vérifierait la qualité de l'or qu'on lui apporte. Before valuing something as gold. Et avant de se dire de donner de la valeur à quelque chose comme étant effectivement de l'or. You pass the gold through all the process of, you know, making sure it's gold. Et vous allez faire tous les examens nécessaires pour vous assurer que c'est effectivement de l'or. You don't just take it, oh, it's the truth. Vous ne vous contentez pas de croire, oh, c'est la vérité. You have to walk your own truth, you have to understand your own path. Et il vous faut marcher vers votre propre vérité, il vous faut comprendre votre propre chemin. Through the process of trial and error. Donc, et avec ce processus ben, de tests et d'erreurs. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.